Comment il s'appelle? C'est David qui l'a envoyé. On va prendre à moi là. On va demander à David. Comment il s'appelle David? Il va Papa, tu veux que j'y aille? Papa! Non, mais tu veux que j'y aille? S'élancer, et franchement, c'est vrai qu'il y a 10 ans, la compétitivité, on va dire, dans la classe CM, elle était peut-être pas la même que maintenant. Ça aurait été intéressant de voir maintenant dans cette classe CM, je ferais avec, je sais pas, les Yves Tolly, les Jérôme Jacquot, même Fabien avec le tracking et tout, ça aurait été sympa, je pense, on aurait vécu des belles choses. Oui, c'est possible, oui, c'est vrai que bah, comme d'autres catégories, la côte a beaucoup évolué en une décennie, effectivement. Loïc Hébinger qui vient de s'élancer, lui qui avait créé la sensation au monde d'or l'an dernier en terminant les essais en tête du groupe CN, rappelez-vous. Alors certes, il avait été aidé par un petit peu de pluie, mais c'est un garçon qu'il faut suivre de très très près, Loïc Hébinger. Le temps de Jean-Philippe Ribes en tout cas est tombé pour cette dernière montée de course, 1:14.624. On accueille sur la ligne de départ Thibaut Mangin.
Thibaut Mangin qui étreigne cette Norma M20 dans la classe CN2. Cette classe aussi, vous l'avez largement pratiquée, Geoffrey. Vous en avez même été l'un des gros candidats à l'époque avec la Norma. Oui, tout à fait, de 2012 et 2013. Oui, donc avec une Norma tubulaire en 2012 et ma première Norma carbone en 2013. Alors que Sylvain Dolly s'élance à l'instant sur la Norma 3 litres. Jean-Jacques Louvet maintenant, le pensionnaire du Team Elior Racing, justement dans lequel vous exercez un petit peu ce week-end, Geoffrey. Comment vous le sentez là, Jean-Jacques? Il progresse hein, quand même de montée en montée, j'ai l'impression. Il se comporte plutôt pas mal. Oui. Jean-Jacques, malgré son âge, a encore un pied droit qui est très lourd et il est très discipliné. Donc Jean-Jacques, c'est un très bon élève. C'est un bon élève, voilà. Ben, on lui dira en tout cas, Jean-Jacques, qu'il a bien écouté les conseils du professeur Chad. C'est ben, comme ça vous pouvez voir, Geoffrey, en live, comment vos élèves ce week-end appliquent les conseils. Quelques chronos qui viennent de tomber avec Olivier Johan en 1-5-551. Loïc Hébinger, beau chrono, hein, Loïc Hébinger. Pour l'instant concrétise sa deuxième place dans la classe CM en 57-753 effectivement. Thibaut Mangin à l'instant 1-02-783 et belle amélioration également de Sylvain Dely. Hein. C'est pas mal du tout ce que vient de faire Sylvain Dely en 56-790. Pardon. Voici Anthony Daran avec le tracking RC01B qui prend une étonnante carrosserie de Peugeot 508. Il vient de s'élancer à l'instant Anthony Daran. Et donc dans quelques instants, justement un autre tracking RC01B. C'est la même voiture, hein, même si la carrosserie est un petit peu différente. Mais les deux voitures qui vont se suivre sont exactement les mêmes. Et à son volant, Maxime Doja, prêt à éventuellement s'imposer. Et peut-être, on le disait tout à l'heure en regardant les records, pourquoi pas faire mouche. Geoffrey, le temps de votre protégé du week-end, éventuellement Jean-Jacques Louvet qui vient d'en terminer. Oui, Jean-Jacques qui vient de réaliser 1-0-0-578 avec une petite amélioration de 4 dixièmes. C'est parti à l'instant pour Maxime Doja et Olivier Jean-Roy également avec la Norma M20FC CN2 qui en a terminé en 57-800. 85, voici Olivier Béreur maintenant. Ouh, ça a allumé sévère là pour Maxime Doja. Grosse attaque. On le sait, hein, c'est un garçon généreux au volant, Maxime Doja, et il vient de le prouver. Olivier Béreur est au départ maintenant avec la Norma M20F 3 litres. Ça vous aurait plu comme ça le 3 litres, Geoffrey? Vous auriez aimé rouler dans ces autos à l'âge d'or là, du CN? Oui, c'était d'ailleurs prévu à la base après la Norma carbone, mais malheureusement c'était pas possible de mettre le PM dans une coque carbone puisque le moteur est très très long. Et du coup, c'était l'année de transition, on était passé à la Formule 3000. Et oui, on s'en souvient avec notamment la Reinhardt 95D, magnifique auto. À l'instant, le temps d'Anthony Daran qui tombe 0,56. Et Etienne Pernaud qui va arriver, et ouais, et voilà, le temps à l'instant de Maxime Doja. Eh bien, ça sera toujours Fabien Bourgeon qui gardera le record du CM, mais Maxime Doja termine parfaitement son week-end. 56-113, victoire de Max Doja en CN. C'est parti pour Jérôme Christophe dans quelques instants avec la Tatius Formula Master. Alors qu'Olivier Béreur vient concrétiser dans quelques instants effectivement la victoire dans le CN3 en 53-228. On attend aussi en ce qui concerne les records le chrono d'Étienne Pernaud parce que là encore il pourrait se passer des choses avec un record en CN2 qui est un être actif, on le rappelle pour l'instant, de Kevin Duro, le double vainqueur de la finale de la Coupe de France d'ailleurs, Kevin Duro en 2014 et en 2018. On s'en rappelle, Fred Schwaller est au départ, on a les yeux rivés sur l'écran, et ben voilà, ce qui devait arriver finissait par arriver. Le nouveau record du CN2 est à mettre à l'actif,
d'Étienne Pernaud, 52-486, et puis pas qu'un peu hein, en plus, il leur a mis une belle louche, Étienne Pernaud. Ah ouais, impressionnant Étienne Pernaud, et pas que Étienne d'ailleurs, hein, je pense qu'on peut le dire, c'est vrai que la famille Pernaud c'est quand même de sacrés gaillards. Un autre grand nom de la course de côte française. Notamment. Ah oui, bien sûr, on se souvient d'Éric Pernaud, aussi bien dans le groupe A que dans le groupe CN. Alors qu'Antonin Saint-Nard vient de s'élancer, moi j'ai un souvenir que je garderai à vie, 2007 à Bagnols-Sabran, où Éric Pernaud doit gagner sous la pluie et il touche dans la dernière montée. C'est Christophe Malatest qui s'impose avec la Norma 2 litres, rappelez-vous messieurs. Je pense seule et unique victoire d'un CN2 scratch en championnat de France de la montagne. Je pense. C'était en 2007 déjà. On salue Christophe Malatest, je sais qu'il nous écoute régulièrement. Le temps de Jérôme Christophe à l'instant, 57-102. Alors que Dominique Gozzi va s'élancer dans quelques instants. Dominique Gozzi au volant de la Formule BMW. On va passer maintenant dans la classe DE5S avec justement Christian Hanau sur la Dallara F308, la F3. Non, ça vous a jamais branché ça, la F3. Pourquoi pas. On n'a jamais trop eu l'occasion, ouais. mais la monoplace est très très sympa à conduire. Moi, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'on est passé du proto de Lite à la plus grosse monoplace possible en course de côte qui était la F3000, et j'ai jamais trop eu l'occasion d'essayer une Formule 3. Et d'ailleurs, des F3000, on va en avoir quelques-unes là dans quelques instants. Il y en a deux au total. Le temps de Fred Schwaller qui vient de tomber, une 09-794, celui d'Antonin Saint-Marc, une 07-008. Au départ, c'est Gilles Saint-Marc qui va s'élancer dans quelques instants. Il vient de s'élancer, l'ami Gilles Saint-Marc. Alors que Carnot Haber, là maintenant, avec cette Formule Renault qui n'a plus grand-chose d'une Formule Renault, mis à part éventuellement le nom, et encore même pas, puisqu'il s'agit officiellement d'une Tatus Evo. Voiture qui lance en compétition hein, ce week-end, Arnaud Haber, dans cette classe DE4 des Formules Libres. Le temps de Dominique Gozzi à l'instant, une 05-864, celui de Christian Hanau, 59-878. Et ben voilà, on en parlait, Geoffrey. Voici l'une des deux Formule 3000 engagées ce week-end. Et pas des moindres en plus, cette Lola P0250. Moi j'adore, je trouve que c'est avec la P06 les deux plus belles F3000. J'ai peut-être même une préférence pour la P02, je sais pas vous. Ah, c'est vraiment le look F1 à l'état pur, effectivement. Ouais. C'est très très beau. Ça a vraiment un avec look. Antoine Lombardo à son volant, qui a une personne qui a énormément de F3000 à son actif. Et puis ça quoi, hein, voilà, une musique. De la musique. C'est pas une musique, c'est la musique même. Effectivement, Antoine Lombardo qui vient de s'élancer dans un sacré vacarme. Lui aussi, il est sous votre égide hein, ce week-end, c'est Nicolas Neyss. Et j'ai l'impression que Nicolas Neyss est là aussi un élève appliqué, on le voit hein, de course en course. Vraiment progressé l'Alsacien. Qui avait fait un peu de F3, hein, qui est revenu cette année à la Formule Renault. Pas mal son début de saison d'ailleurs à Nicolas Neyss. Pas mal son début de saison à Nicolas Neyss. Oui, tout à fait. Et là, il a fait de bons progrès pendant le week-end. Donc voilà, on croise les doigts pour cette dernière manche. Je vous laisse observer le travail de vos poulains. Alors que Roland Perrin maintenant, avec la Duquesne, est au départ. Quelques chronos qui sont tombés également. Avec Gilles Saint-Marc notamment, 1-0-1-0-48. Arnaud Haber en 1-0-0-155. Et Antoine Lombardo, ça va de plus en plus vite, hein, c'est pas mal. 57-922 pour Antoine Lombardo. Ça serait bien de voir Antoine Lombardo plus souvent avec cette auto. Franchement, on adorerait. Ça serait cool. David Mayer maintenant est au départ avec la Martini MK62. Voiture anciennement pilotée par Baftine Erguti d'ailleurs, cette auto.
Excellence David Mayer. Et le temps de Nicolas Ney, c'est un peu en retrait, Joff, mais bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal ce qu'a fait Nico. Oui, il y avait une belle progression tout le week-end. Bon, malheureusement, pas cette manche, mais voilà, ça reste un week-end très positif. Et on suivra Nicolas Ney sur le restant de la saison où il avait pour programme de participer à l'ensemble des épreuves. Antoine Uny maintenant est au départ, lui aussi un pensionnaire de la classe DE7. Un garçon pétri de talent. Qui s'est un petit peu cherché au volant de la monoplace l'an dernier, mais qui arrive quand même de plus en plus fréquemment aux avant-postes. Le temps de Roland Perrin, 58-5. Le temps de Nicolas Ney, on l'a annoncé effectivement tout à l'heure. Et voici maintenant Christian Martin avec la dernière F2 qui a été construite finalement pour la course de côte. C'est une époque qu'on ne connaît pas, hein, Geoffrey. Qu'on a connu en photo ou sur échappement, par exemple. Exactement, bon celle-là on l'a connue quand même de L2, justement parce que elle a été pilotée en fin de vie des F2 entre guillemets, de première vie des F2 par Bruno Bazot avec laquelle il s'était imposé à Bayonne savant en 2002. Allez Baptiste Olivier Boucher maintenant, le pilote du Team Helium justement, leader de la Formule Renault, un garçon très appliqué Baptiste Olivier Boucher qui clairement sera su toute l'année. Hein. À l'attaque, le jeune Baptiste, lui qui réside en Suisse, rappelons-le, alors que Patrick Chollet arrive sur la ligne de départ. Antoine Uny vient d'en terminer en 56-239. Et David Mayer, pas mal pour David Mayer, 55-9. C'est parti pour Patrick Chollet. Au volant de la Dallara F311 et bien sûr la classe de 5S va nous intéresser tout de suite parce que là aussi il y a de la bagarre. C'est Daniel Allais maintenant qui est au départ, lui aussi il a connu la F3000, Daniel Allais bien sûr avec la Reinhardt 97B, on s'en souvient, tandis que Christian Martin améliore en 55-928. En tout cas Geoffrey, on le voit, les temps améliorent, les conditions semblent être optimales, il ne fait pas trop chaud mais en même temps la piste est quand même bien en température, ce qui devrait nous offrir des records, peut-être des nouveaux records dans la catégorie N. Hein. Oui. Alors que Sammy Gutt est au départ sur la Dallara F311 Volkswagen. Baptiste Tony Boucher là, qui vient de signer un super temps, Geoffrey. Oui, 56-093. Ouais. Bravo Baptiste, il fait une très belle manche. C'est bien ce que fait Baptiste Tony Boucher, effectivement. Patrick Chollet, quant à lui, n'a pas amélioré. 55-710. Voici, allez, on s'en remet une couche de F3000 dans la foulée avec Bruno Cazzoli au départ. Que le V8 d'Antoine Lombardo, mais quand même hein, ça fait son effet. Et on accueille maintenant celui qui occupe pour l'instant la tête du DE5S, Arnaud Chollet. Il avait signé un super week-end, on s'en souvient, du côté de Turkheim 3 Epi l'an dernier. Il avait pris la deuxième place du DE5S. C'est parti à l'instant pour Arnaud Chollet. Alors que dans le même temps, Daniel Allais vient de signer un 54-653. Sammy Gutt, lui, a amélioré 54-370. Voici maintenant le leader du groupe DE à l'issue des deux premières montées de course. Vainqueur de la finale de la Coupe de France de la montagne en 2019, Pierre Mayer, au volant de la Martinet MK62, ex-Nanine Erguti. Impressionnant aussi Pierre Mayer, hein, Geoffrey. Ouais.
Oui, tout à fait. Pierre a vraiment très bon coup de volant et il l'a prouvé notamment à la finale de la Coupe de France fin d'année dernière où il a vraiment fait une très très belle course. Comble de l'histoire, c'était face à Marc Pernaut que la victoire s'était jouée. C'est aussi face à Marc Pernaut dans quelques instants que la victoire dans le groupe DE va se jouer. Cagnot Marquionnet maintenant au départ dans la classe E2SC1. On suivra la bagarre entre Cagnot et Axel Petit, même si ce dernier semble avoir légèrement pris l'ascendant. Il vient de s'élancer, Cagnot Marquionnet. En tout cas, ce qu'on peut vous annoncer, c'est que Bruno Cazzoli a amélioré en 55-4. Il va remporter la classe DE6. Et Arnaud Chollet s'impose en F3. 53-618 pour Arnaud Chollet. Reste à savoir quelle place cela lui permettra d'occuper dans le groupe DE. Pour l'instant, en live, eh bien, Arnaud Chollet reste 3e. Il sera donc 3e de ce groupe DE. Axel Petit au départ. Belle création aussi que c'est E2SC1. Je ne sais pas ce que vous en pensez Geoffrey, mais c'est vrai que c'est des produits super intéressants pour arriver dans la catégorie UN également. Ouais, et de par leur tout petit poids, il y a des sensations incroyables et surtout énormément de grip en latéral. Il faut vraiment prendre des virages. Pascual Pérez qui vient de s'élancer et Pierre Maillard n'a pas amélioré. 52-120, il reste bien sûr provisoirement le leader du groupe DE. On va attendre Marc Pernaut dans quelques instants. Et dans quelques instants, bien sûr, l'assaut final pour la victoire. Scratch de cette troisième manche du championnat de France de la montagne. Cagnot Marquionnet, lui, a amélioré, mais ça ne sera pas suffisant pour passer devant Axel Petit. 54-0-31, Axel Petit remportera dans quelques instants la classe E2SC1. Alexander Zayen est au départ. Et il améliore qui plus est Axel Petit, c'est bien 52-912 pour Axel Petit qui va donc remporter cette classe E2SC1 qui va vraisemblablement, me semble-t-il, terminer meilleur jeune de cette catégorie sport. Allez, c'est parti pour la lutte finale, au moins dans le groupe DE. Marc Pernaut est au départ, le pilote de la Tatus Formula Master numéro 10. On rappelle que Marc Pernaut a fait l'acquisition de cette monture anciennement piloté par Fabrice Landy. Il occupe pour l'instant la deuxième place du groupe DE. Marc Pernaut versus Pierre Maillard. Affaire à suivre. On passe maintenant à la catégorie reine avec un nouveau petit copain là, mon cher Geoffrey, alors qu'on a vu Marc Pernaut faire un gros freinage. C'est Anthony Lebeller avec sa nouvelle Norma M20 FCE de SC1 litre 7 turbo. Pas mal les débuts d'Anthony Lebeller aussi. Hein. Oui, tout à fait. Anthony qui avait un très très bon coup de volant déjà en proto de litre, donc c'est super de le voir arriver dans la catégorie reine. Ça sera un client, hein, clairement, Anthony Lebeller. Quelques temps avec Pascual Pérez en 55-360, Alexander Zelenik en 54-944, Cédric Lansard avec la Norma M20 FCE de SC1 litre 7 turbo 3B, on le rappelle, voiture à moteur bridé, rappelons-le. Et on attend bien sûr le temps de Marc Pernaut. Que va faire le Doubien? Marc Pernaut, 51-626. Alors que Cédric Lansard s'élance, Marc Pernaut remporte la classe DE8, mais c'est bien Pierre Maillard qui va remporter le groupe DE ce soir. Sébastien Petit avec sa nouvelle Nova MP01, 2 roues motrices, 1 litre 7 turbo. Et là, ça y est, on y est, Geoffrey. C'est parti, la bagarre des chefs, le rendez-vous des chefs qui va démarrer dans quelques instants. Attention de ne pas oublier Sébastien Petit non plus, hein, sait-on jamais. Sébastien Petit, il est peut-être un peu loin, certes, dans la hiérarchie, mais il est quand même pas si loin. Il est pas si loin. Il est à 1 seconde 3, hein, seulement de la tête de Cyril France. C'est parti en tout cas pour Sébastien Petit. Le temps d'Anthony Lebeller à l'instant, 50-432. Très bon week-end pour le pilote normand. On accueille maintenant Patrick Zajelnik. Et si vous le voulez bien, après le passage de Kevin Petit et de Corentin Stark, on gardera les chronos pour nous, Geoffrey, bien sûr, pour ne pas perturber les pilotes. Vous connaissez bien ça. D'habitude, c'est vous, en l'occurrence, qui êtes concerné.
D'habitude, c'est vous que je ne veux pas perturber, Geoffrey, mais cette fois, voilà, on évitera de perturber les autres. Le temps de Cédric Lansard à l'instant, belle amélioration également. Et Cédric Lansard va terminer. Allez, juste derrière Anthony Le Bélair, mais belle bagarre quand même entre les deux hommes, même si le moteur est bridé du côté de Cédric Lansard. 47-626. C'est le temps de. Oui, alors attendez, je me suis remis les pinceaux. Kevin Petit au départ. Alors oui, je me suis remis les pinceaux. Le temps de Cédric Lansard à l'instant. Non, mais ça va, c'est pas une boulette. 50-460-18, je le redis pas. Mais si, on va le dire bien sûr dans quelques instants avec Corentin Stark qui va s'élancer au volant de la Nova 1 litre de turbo. Et vous l'avez compris, Sébastien Petit a signé un sacré chrono, mesdames et messieurs. On va attendre bien sûr le passage pour vous le répéter. On entend bien les procédures de départ des moteurs turbo qui sont assez spécifiques. Surtout sur le 1 litre 2, j'ai l'impression qu'il y a un énorme bang. Et voici un franco-italien ce week-end. Voilà, un franco-italien. Fabiano Bourgogne. Fabien Bourgeon, question, que va faire Fabien Bourgeon, on le rappelle, en panne dans la 2. Leader à l'issue de la première montée de course. C'est parti pour Fabien Bourgeon. Une voiture qui a la particularité d'être équipée par un embrayage centrifuge. Oh là là, l'attaque de Fabien Bourgeon. Il donne tout, Fabien Bourgeon. Attention à ne pas en faire trop. Le leader de cette course de côte d'Abrecht-Villers 5-1 est au départ Cyril France. Cyril France qui s'élance. Oh là 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 là, il y a des sacrés chronos là les amis. On va attendre le départ de Billy Ritchion et de Damien Chambéro pour vous en dire plus. Là on est en train de vivre un truc énorme, Geoffrey. Oui, tout à fait, beau, très beau spectacle. Énorme ce que vient de faire Corentin Stark. Oh là 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 là. Interruption de course pour balayage, les amis, car le temps de Fabien Bourgeon vient de tomber sur nos écrans. Mais bien sûr, la particularité de la situation fait que, pour ne pas perturber qui que ce soit, même si évidemment, en tant que spectateur, vous avez peut-être les chronos devant vous, on va les garder pour nous, bien sûr, parce que pour l'instant, rien n'est fait. Surtout que l'on attend le chrono de Cyril France, mais en tout cas, il vient de se passer des choses. Et le temps de Cyril France qui vient de tomber à l'instant. Un petit peu de balayage effectivement. Oh là là, la situation elle est tendue, mais on peut pas tout vous dire les amis, on peut pas tout vous dire encore. Il faut attendre un petit peu. C'est vrai que c'est particulier, maintenant Geoffrey, vous comprenez ma position dans ces moments-là hein, aussi. Oui, où c'est vrai que c'est stressant, stressant en tant que pilote, mais c'est marrant parce que je suis stressé aussi. Eh oui, c'est très 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 stressant. Je pense que vous comprenez un peu mieux l'issue des choses, évidemment. On peut donner quand même au moins le chrono, parce qu'ils n'auront pas d'incidence au général, de Patrick Zajelnik, 49-827, de Kevin. Trois garçons pour lesquels on a juste à moitié donné le temps en se trompant tout à l'heure, c'est-à-dire Sébastien Petit, Fabien Bourgeon et Cyril France. On parle de chrono en 47 pour les trois hommes. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que l'on peut vous dire. Et on attend maintenant avec le leader du championnat de France de la montagne qui est sur la ligne de départ au volant de la Nova NP01 V8. Qu'est-ce que vous pensez, Geoffrey, du début de saison là, de Billy Ritchon et de Damien Chambéro? D'ailleurs, ils se sont livrés quand même sur les deux premiers rendez-vous une sacrée bagarre. Oui, tout à fait. Bah, Billy a clairement fait un début de saison parfait puisqu'il a remporté deux victoires en deux courses. Donc un excellent début de saison pour lui. Les bagarres ont toujours été très très serrées avec Damien et c'était très très intéressant à suivre. Donc non, de très très beau, très très belle course.
Effectivement, on l'a vu avec une fin de course complètement dingue à Bagnols de Sabran, course que vous aviez suivie d'ailleurs avec Fabien Bourgeon, on l'avait vu sur les réseaux sociaux. Tout à fait, de loin. Vous pouviez voilà, voir ça de loin. Et puis le Côte Saint-Pierre et cette épreuve qui comptait pour le championnat d'Europe, où Billy Richon avait pris l'ascendant sur Damien Chambérot. Mais tout peut basculer encore dans cette course. Ce que je peux vous dire, c'est que rien n'est fait, rien n'est joué et on a autant l'impression hein, que c'est vrai, que dans la voiture. J'avoue. Comment on gère justement ce genre de situation, Geoffrey, où on va jouer la gagne et où voilà, il se passe des choses en piste. Alors, heureusement, c'est pas grave, ce n'est que du balayage, mais des conditions comme celle-ci où on attend dans la voiture. Comment on gère ça, Geoffrey? Après, je pense que chaque pilote gère ça à sa manière. Moi, personnellement, j'essaye de rester dans une certaine bulle, si je puis dire, rester très concentré et pas se laisser, disons, influencer par tout ce qui se passe à côté. Vraiment rester focus sur ce qu'on a à faire sur la piste. C'est important. Et pour la petite histoire également, puisque donc Billy et Damien sont tous les deux équipés d'une Nova, mais elles sont en fait très très différentes, puisque Billy a une voiture très ressemblante à celle de Simone Fagioli, qui donc est courte en empattement et en largeur, elle n'est pas très très large, comparée à Damien qui a une voiture un peu plus longue et plus large. Et puis bien sûr la motorisation, et la motorisation différente. Avec d'un côté le 1.7 turbo qui... se trouve dans l'habitacle de la Norma M20 FC de SC de Damien Chambérot. Et puis le V8 dans la voiture de Billy Richon. C'est un peu l'opposition des styles là, Richon-Chambérot sur la ligne de départ. Quelle place vont-ils occuper à l'arrivée? On va le découvrir dans quelques instants. Puisque on l'apprend à l'instant avec la direction de course, ça ne devrait plus trop tarder à reprendre. Suite et fin du festival, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants, dès le départ, bien sûr, de Billy Richon et de Damien Chambérot, nous vous donnerons tous les chronos, nous vous dirons absolument tout. On le rappelle aussi pour nos amis spectateurs qui ne comprendraient pas pourquoi on attend, hein, tout simplement, bien parce qu'il y a des chronos et on ne veut pas perturber non plus la préparation des pilotes qui sont en pré-gris et qui vont dans quelques instants s'élancer. Le but du jeu, ce n'est pas ça, c'est que tout le monde... roule à condition la plus égale possible. Je dirais c'est la raison pour laquelle on se mure un petit peu dans le silence. On l'explique aussi pour nos amis internautes qui nous écoutent en direct et qui voient les chronos et qui doivent se demander pourquoi on les donne pas. Et bien c'est cette raison évidemment qui prévaut. Billy Richon qui va s'élancer dans quelques instants. Le pensionnaire de la Zarantzès, Billy Richon. Vainqueur de ses deux premières courses en carrière. C'est parti à l'instant pour Billy Richon et on attend de voir comment les choses vont se passer. On accueille maintenant celui qui hier pointait en tête des essais, celui qui occupe la deuxième place au classement général à l'issue des deux premières montées de course. La troisième pardon et non pas la deuxième, c'est Damien Chambérot qui est au départ. Ça a l'air de passer fort hein, pour Billy. C'est parti à l'instant pour Damien Chambérot. Les chronos, le meilleur temps est à mettre à l'actif de Fabien Bourgeon, mesdames et messieurs. En 47-626, Cyril France a signé un 47-604. Et le temps, bien sûr, on l'attend de Billy Richon et de Damien Chambérot. Mais donc pour l'instant, c'est bien Fabien Bourgeon qui domine devant Cyril France. Et Billy Richon à l'instant qui vient de signer un chrono d'enfer. 47-546, Billy Richon est provisoirement troisième. Que va faire Damien Chambérot, va-t-il tirer son épingle du jeu? On l'attend, on le répète, pour l'instant le cumul à battre, c'est 1.35-294. Que va faire Damien Chambérot? Peut-être une deuxième victoire en carrière dans quelques instants après celle obtenue à La Pommerée, rappelez-vous, en 2021. Damien Chambérot, dans quelques instants, sur la ligne d'arrivée, Damien Chambérot, nouveau record pour Damien Chambérot, la victoire de Damien Chambérot, ici même, à Abrechwiller, 46-889, victoire de Damien Chambérot, énorme fin de course, quelle fin de course. Excellent chrono de Damien, impressionnant. Ah là 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 là, incroyable fin de course, Damien Chambérot qui a l'arraché, s'impose ici à Abrechwiller Saint-Quirin. Victoire de Damien Chambérot devant Fabien Bourgeon et Cyril France
qui prend donc la troisième place. Damien Chambéron avait remporté la première victoire de sa carrière à La Pommerée l'an passé. Il vient cette fois de remporter le deuxième succès de sa carrière. Et Gabi Bernard, le drifter fou, qui vient justement eh bien, nous mettre le feu, un petit tour d'horizon des classements avec la victoire dans le groupe DE pour Pierre Mayer devant Marc Pernaud et Arnaud Chollet qui remporte la F3 bien sûr dans le groupe CN. Vous l'avez compris, c'est Kevin Petit qui s'impose et Étienne Pernaud qui remporte la classe CN2 et donc un nouveau record du tracé, mon cher Geoffrey, j'en suis fort désolé, nouveau record du tracé à mettre à l'actif désormais de Damien Chambéron. La dernière fois qu'il avait battu un record, ça avait tenu à peu près 30 secondes, c'était au Mont d'Or l'année dernière. Cette fois, ça tiendra au moins un an. 46-889, quelle fin de course Geoffrey. Oui, oui, tout à fait, bah, voilà, Damien il a fait le job, il s'est arraché à la dernière manche pour sortir un très très beau chrono et voilà, c'est une victoire méritée. Ah oui, on a vécu vraiment un week-end de folie. Merci beaucoup Geoffrey d'avoir été à mes côtés pour commenter cette fin de course. Merci à toutes et à tous d'avoir été à nos côtés hein, ici même à Avrechvillers pour bien sûr suivre cette épreuve. Merci également à toutes celles et ceux qui nous ont suivis sur internet, que ça soit en direct commenté ou par l'intermédiaire de la radio. Amis spectateurs, amis commissaires, restez bien en place, bien évidemment, parce qu'il y a encore des voitures de démonstration qui arrivent. J'invite aussi les spectateurs plus tard dans l'après-midi à redescendre par les sentiers et non pas par la route, car il y aura effectivement les voitures qui vont redescendre et ça serait un petit peu dangereux. On va se retrouver un petit peu plus tard pour la remise des prix ici même sur le carré VIP. Et donc l'information, je vous la répète, la victoire de Damien Chambéron devant Fabien Bourgeon et Cyril France. On vous laisse en musique et on se retrouve dans quelques semaines maintenant dans l'ouest de la France du côté d'Ébécrevon et j'espère avec vous Geoffrey, ça serait cool. Bah écoute, j'espère de tout cœur, mais je ne pense pas, malheureusement. La période de l'Ouest, à mon avis, ce sera pas possible. Mais okay. On va faire au plus vite dans tous les cas. Allez, bah on croise les doigts. Et bravo à toute l'organisation, c'était une 50e édition pleine de réussite. Bravo à tous. C'est clair, on peut saluer l'équipe du Coca, de la ZAC Moselle et tous les commissaires. Merci à toutes et à tous. Un dernier message pour les commissaires. Merci de bien vouloir laisser les téléphones en place. Débranché certes, mais en place, et on va venir les récupérer. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et à très vite.
Amis pilotes, faites comme Sarah. Venez. On vous attend. Depuis 4 jours, on a un avion demain. Donc, merci. Et tôt en plus. Donc, hein, vous m'avez compris ? Je vois Yannick Pontignon là-bas, Yannick. Ici. Viendez. Les pilotes du CFM, venez avec nous hein, dans le carré VIP. C'est-à-dire Damien, Fabien, Cyril, Yannick, Ronald, Paul. Et on va accueillir également Axel, Alexandre et Sarah. Elle est déjà à nos côtés. Sarah, merci de bien vouloir venir à nos côtés. Cyril, il est là, Cyril. Tu pouvais passer là sinon. Hein. Pas trop compliqué hein, l'histoire. Hein. Il se complique pas trop la vie, le mec. Allez, amis pilotes, s'il vous plaît, on vous attend. L'apéro, ça sera après. Enfin, on va essayer de vous le faire croire. Bon les gars, si vous venez pas, je vais vous chercher dans le parc, moi, tu vas voir, ça va être vite vu. Bravo mec. Allez, on vous attend. On vous attend. Allez, il manque qui ? On va faire l'appel. Damien Chambéreau, vous êtes appelé, monsieur Chambéreau. On vous attend, Damien. S'il vous plaît, en combinaison, Damien. Allez. Fabien, il est là. Cyril, il est là. Yannick est avec nous. Ronald, on attend Ronald aussi, Ronald Garcès. Ça, c'est les hommes. Ça, c'était féminine. Okay. Ça va ? Non, merci. Allez. On attend. Ronald, Paul vient d'arriver. Axel, il est là. Alexandre Hall est convoqué tout de suite. S'il vous plaît. Et Sarah. Un petit mot concernant des photos effectivement qui vous sont offertes, amis pilotes. Vous pouvez venir les récupérer. Elles sont sous cadre. Ici même. Zone VIP, je vais appeler une liste de pilotes. Cette liste de pilotes a des photos offertes. Stéphane Martinet, Dominique Lansard, Mathieu Noué, Philippe Marion, Philippe Schmitter, Ronald Garcès, Yannick Pontignon. Tiens, Yannick Pontignon, il est dans les parages. Anthony Daran, Pierre Mayer, Axel Petit, Alexander Zajelnik, Marc Pernaud, Sébastien Petit, Fabien Bourgeon, Billy Richen, Moran Katmakoviak, Aurore Dodi, Pearl Janel, Sarah Bernard, Elodie Lafosse, Aurore Louison et Tania Flamang. Vous êtes toutes et tous conviés pour aller récupérer des photos. Ici même, mise des prix, hein, je le précise. Damien Chambéreau, il est où? Ah, il est là, il est arrivé, ça va. On attend Ronald Garcès, me semble-t-il. Où est Ronald? Est-ce que Ronald est dans les parages? On attend Ronald Garcès et Alexandre Hall. Photo, passe, fais le tour, tu vois là où il y a Bernard Chambéreau, ouais. Et là tu as des cadres, il y a un cadre qui avec cette photo, tu vois là. Tu pars pas, hein. Moi je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. Tu me fais une interview, tu rigoles pas.
Allez, Ronald Garcès. Monsieur Garcès, on vous attend. Ronald Garcès arrive en patinette. Voilà. Je peux pas vous dire mieux, hein, c'est info officielle. Donc, il patine, Ronald. Il patine. Alexandre Hall. On attend également Alexandre Hall. Alexandre Hall qui est convoqué en qualité de meilleur jeune catégorie production. Alexandre Hall, on va l'attendre un petit peu. Malheureusement, si sa venue se fait tardive, nous devons démarrer sans lui. Bonsoir à toutes et à tous, merci bien sûr d'avoir été à nos côtés tout au long de ce week-end. On a vécu une course dantesque et on va bien sûr dans quelques instants en consacrer les principaux protagonistes. Dans un premier temps, je vais demander à certaines personnalités de bien vouloir me rejoindre pour lancer cette remise des prix. Alors, on va applaudir Ronald, on termine avec son ascension en trottinette de la commune d'Abrechwiller. Voilà, on peut l'applaudir quand même, Ronald Garcès.
Non, tout le monde s'en fout. Bon, d'accord. Bon, mais écoutez, c'est pas grave, on l'applaudira tout à l'heure. On va accueillir certaines personnalités, comme je le disais, à mes côtés. Je vais demander à Madame Gosset de bien vouloir me rejoindre, la conseillère départementale de la Moselle, à Monsieur Jackie Clément, bien sûr, le président de la Ligue Grand Est du sport automobile. Je sais qu'il est dans les parages, Jackie. On va également appeler Monsieur Emmanuel Ril, le maire de la commune d'Abrechvillers. On va citer Monsieur Di Filippo, hein, qui vient effectivement de partir, Monsieur le député de Moselle, qui nous a fait l'honneur d'être à côté. Et je vais accueillir également nos deux invités prestigieux de ce week-end, Anne Bavré, déjà dans un premier temps, ainsi que Julien Régal. Vous pouvez les applaudir. Allez, on va laisser une place à Jackie. Honneur aux dames, si vous le voulez bien, on va commencer par vous. Madame Gosset, vous êtes la conseillère départementale de la Moselle, hein, on le disait. Le championnat de France de la montagne faisait ce week-end à l'occasion du retour de cette épreuve. Et bien son retour sur le département de la Moselle, de quoi, j'imagine, vous en jouez? Oui, tout à fait. En plus, pour le 50e anniversaire de la course de côte, j'étais vraiment ravie de travailler avec Bernard Vogel. Donc, pendant plusieurs semaines, on a échangé. Voilà. Et donc, du coup, moi, je tenais à remercier aussi le président du conseil départemental, qu'on est partenaire également pour cette course. Je suis vraiment, vraiment ravie d'être ici pour cette manifestation qui, depuis quasiment 3 ans, n'avait pas eu lieu. Donc, vraiment très contente. Bravo à tous. Félicitations pour la magnifique organisation. C'était même depuis 3 ans, hein, concrètement, puisque la pandémie de la Covid-19 avait malheureusement eu raison de la bonne tenue de l'organisation. Monsieur Ril, vous êtes le maire de la commune d'Abrechvillers. On en parlait, on avait votre homologue vendredi avec nous à la conférence de presse. On est ravis de vous retrouver. Je crois qu'on peut le dire, quand on voit le monde ici même, vraiment l'événement a été un fabuleux succès et on ne peut que vous remercier d'avoir accueilli, je dirais, cette 50e édition. Alors en fait, c'est moi et l'ensemble du conseil municipal qui remercions les organisateurs, les pilotes, les spectateurs qui sont venus nombreux cette année. Cela faisait vraiment longtemps que nous n'avions plus eu autant de spectateurs. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait des voitures dans tout le village. Depuis les dernières décennies, malheureusement, le nombre de spectateurs s'était réduit. Et là, on a de nouveau des voitures dans tout le village. Donc nous sommes ravis d'avoir soutenu avec le conseil municipal la course de côte, puisque nous soutenons par des mises en place de logistique, des subventions, ce genre de choses. Et nous soutenons depuis, la commune de Brechefer soutient depuis longtemps. Et je voulais aussi au passage, Madame le maire de Saint-Quirin n'a pas pu venir, elle m'a demandé de l'excuser. Et donc elle vous salue, Madame le maire de Saint-Quirin vous salue aussi, puisque vous savez que c'est la course de côte d'Abrechvillers Saint-Quirin. Évidemment, et on a une pensée pour Madame Colingro qui était à nos côtés. Merci en tout cas pour votre accueil. Jackie, vous êtes le président de la Ligue Grand Est du sport automobile, mais également président délégué de la Fédération française du sport automobile. Je crois qu'on peut le dire un petit peu comme nos élus territoriaux, je dirais. Vraiment, on a vécu un super week-end ici même à Abrechvillers Saint-Quirin. Et en ce qui concerne la Ligue Grand Est, je crois que le rayonnement est parfait, hein, sur le championnat de France de la montagne. Ah oui, certainement, mais aussi c'est un grand jour et une grande victoire pour le sport automobile français, quoi. Alors, tout de suite, je le dis, c'est merveilleux à Abrechvillers, puisqu'on ne vieillit pas tout de suite, ça fait 3 ans qu'on fait les 50 ans. Donc, c'est un bon pour venir à Abrechvillers. Oui, alors, effectivement, un plateau exceptionnel. Et je dois saluer la persévérance, le courage, la ténacité des organisateurs qui, quand on leur dit « non, c'est annulé », alors que tout était prêt. Ah non, c'est encore annulé. On pensait qu'on ne les ferait jamais. Et aujourd'hui, sincèrement, bon, non, mais je le dis pour aussi Monsieur Homer, le temps était clément également, oui. Donc... Ah oui. C'est vrai. Pas mal, pas mal. Jackie, il aurait pu faire des blagues avec nous tout au long du week-end. En plus, encore un record de battu. Ça m'effraie un peu. Mais des pilotes au top, vraiment, sincèrement, une grande journée de sport automobile et on peut être fier. Et notre ligue compte quand même, et je le dis parce qu'il faut le savoir, que tout le monde le sache, on a une ligue en moins de 20 ans où on a 18 titres de champion du monde. Donc en Ligue Grand Est, on est vraiment une région de sport automobile. Ah ben ça c'est sûr, c'est plus à démontrer. On...
côté, effectivement, et on peut que le saluer. Merci en tout cas à tous les trois. En tout cas, je pense qu'on peut applaudir d'une part, eh bien, par l'intermédiaire de Jackie, tout le travail qui a été fait par Bernard et ses équipes, par le Coca. Et puis merci, bien sûr, à nos élus de bien vouloir accueillir de cette manière-là le sport automobile. On avait des invités de prestige ce week-end. Ils sont à nos côtés pour cette remise des prix. Anne, je vais commencer par Anne Bavré, championne de France de la montagne 2e division. En 1984, mais s'il n'y avait que ça, à la limite, ça serait anecdotique. C'est une carrière légendaire, bien sûr, Anne Bavré. Et Anne, vous étiez là, à nos côtés. Vous nous avez fait le privilège d'être là ce week-end avec nous. Dites-nous tout. Vous avez pris du plaisir ici à Abrecht-Willer? J'ai pris un énorme plaisir, d'abord parce que j'ai rencontré des gens tellement accueillants, tellement merveilleux, qui me faisaient tellement de compliments. J'ai été très touchée par ces femmes, ces hommes moins jeunes ou plus jeunes. Et les jeunes m'ont beaucoup touchée aussi parce que je ne les connaissais pas ou je les ai connus petits. Et ils disaient toute leur admiration. Moi, ça m'a vraiment étonnée. Et je suis moi-même en admiration devant tant de gentillesse, tant d'accueil. Je remercie la direction aussi de cette course, ainsi que Bernard Vogel, qui ont été aux petits soins pour moi. Mais merci infiniment à tous ici présents pour votre accueil et votre gentillesse. Merci Bernard. Et j'espère qu'on va vous revoir sur une prochaine épreuve. Anne, on peut l'applaudir évidemment, elle le mérite évidemment. Merci beaucoup Anne d'avoir été à nos côtés. Julien, vous aussi vous étiez l'un de nos invités, alors je vais juste me mettre ici pour que tout le monde puisse nous voir. Julien, vous étiez l'un des invités exceptionnels pour cette 50e édition. On le rappelle, vous êtes le frère de Lionel Régal, vous êtes le fils de Marc Régal également. Votre nom est plus que lié au sport automobile et vous aussi, ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas venu nous voir et on est super super content de voir ces couleurs là, hein, ça nous fait très plaisir. Ouais, bah c'est gentil, ça me fait plaisir aussi. J'en profite vraiment pour remercier encore tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette course, c'est-à-dire les pilotes, l'organisation, enfin tout le monde, parce que bon, ça faisait 12 ans que j'étais pas venu en course, mais j'ai ressenti des frissons un peu comme on pouvait ressentir à l'époque. Et merci à tous ces pilotes de nous faire partager ça, parce que c'est vraiment sympa. Et puis merci à toi aussi de nous le faire bien vivre et pour que les spectateurs puissent bien le voir. Donc c'est super week-end. Bah merci Julien, et puis merci d'avoir été là. Je crois que en la mémoire de Marc, en la mémoire de Lionel, on peut tous applaudir, bien sûr, et on a évidemment toujours une pensée pour ces deux-là et puis pour tout le travail que vous aviez fait. Et enfin, pour terminer, avant de lancer les hostilités, j'aimerais me rapprocher de vous deux. Irène, vous êtes, on le rappelle, eh bien, la mère de Christophe, la femme de Bernard Henry également, qui ont plus qu'œuvré pour que cette course ait lieu. Et quel plus bel hommage que ce 50e anniversaire, Irène. Je suis contente du résultat de cette belle course et je suis sûre que là-haut, ils sont contents avec nous. Je suis fière et je suis contente d'avoir eu ce beau temps et de la réussite de cette épreuve. Voilà. C'est une certitude qu'ils peuvent être fiers de vous, en tout cas. Vous avez fait un travail sensationnel, Bernard. Bravo d'avoir justement, avec toutes vos équipes, réussi à perpétuer l'héritage de la famille Henry. Je crois que c'était vraiment ça le moteur après pour organiser cette course. Oui, je suis vraiment très heureux que ça se soit bien passé, vraiment. Je voudrais simplement continuer le travail de Bernard et de Toff. Et quand on organise une course, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, les spectateurs, les engagés, la météo. Il se trouve qu'il y a eu un alignement de planètes et tout s'est formidablement bien passé. Et puis cerise sur le gâteau, le record qui tombe, c'est merveilleux quoi. J'ai passé un super week-end. Je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette épreuve, tous les bénévoles du COCA, les commissaires, la direction de course, avec un sentiment particulier pour Franck Madère qui a fait un super travail. Hein, et puis un dernier petit mot, merci aux collectivités locales qui, avec leurs subventions, nous ont très bien aidés. Franchement, merci, grâce à vous, on n'aurait pas pu faire. Vraiment, un grand merci de la part du Sport Auto. Eh bien, merci à tous et en l'honneur de la famille Henry, franchement, bravo.
pour tout ce que vous avez fait. J'espère en tout cas, mais j'en ai aucun doute que de là où ils peuvent nous regarder, ils en sont fiers. Merci en tous les cas à tous. Vous allez rester pas très très loin de nous parce que je vais avoir besoin de vous, notamment pour remettre certains trophées. Comme vous le savez, comme le veut la tradition, on va passer maintenant eh bien, à la remise des prix d'une part de la catégorie production. On va commencer en appelant bien tout de suite celle qui termine meilleure féminine de cette catégorie production. Et c'est Anne Bavré qui va d'ailleurs lui remettre le trophée. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Sarah Bernard Louvet. Bonsoir Sarah. Félicitations pour cette nouvelle performance. Vous prenez en parallèle, rappelons-le, la quatrième place hein, du groupe A. Alors certes, ça ne s'est pas passé exactement comme vous l'auriez souhaité. La première montée a été un petit peu compliquée, mais vous nous l'aviez confié tout à l'heure. L'objectif, ce n'était pas de prendre de risques, c'était d'assurer. Et finalement, quand on met tout ça bout à bout, c'est plutôt un bon week-end, non ? Oui, 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 vraiment, je retiens les performances du samedi, surtout qui ont été vraiment à la hauteur de mes attentes. Donc j'étais vraiment contente. Et puis ce matin... un petit excès de confiance, on va dire, une petite touchette, mais qui a des grosses répercussions pour moi parce que, évidemment, après, c'est dur de se remettre en confiance et d'aller chercher les performances espérées ce week-end. Donc, je suis un peu déçue, mais au final, je me dis que ça aurait pu être un abandon, que là, j'ai pu rouler, j'ai pu voilà, retrouver mes sensations. Donc, c'est quand même correct et je suis contente quand même. On peut quand même vous féliciter pour les super chronos parce que c'était vraiment du très très lourd. Je vous laisse monter sur la plus haute marche du podium et Anne Bavré va vous remettre donc le trophée ainsi que le magnum de Crémant d'Alsace offert par le partenaire du championnat de France de la montagne, les caves de Turckheim. Sarah Bernard Louvet, vous pouvez l'applaudir mesdames et messieurs. On va tout lui poser au sol ou autre, je ne sais pas, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Attention de ne pas faire tomber le trophée, hein. Parce que celui-là, on va pas le remonter, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va être compliqué, quoi. Voilà. On peut l'applaudir. Sarah Bernard Louvet, meilleure féminine de la catégorie production. Allez, on va porter un petit peu assistance à Sarah, effectivement. Toujours dans cette série production, on va accueillir maintenant celui qui prend, s'il est à nos côtés, la place de meilleur jeune hein, de cette catégorie production. Je vais vous demander d'accueillir comme il se doit Alexandre Hall. Est-ce qu'il est là, Alexandre ? Est-ce qu'Alexandre Hall est dans les parages ? Je crains que ça ne soit pas le cas. Eh bien écoutez, on va en tout cas avoir une pensée pour lui et si jamais il revient un petit peu plus tard, on lui remettra son trophée. On va passer maintenant au podium scratch de cette catégorie production. Il y a eu une bagarre fabuleuse et je vais vous demander d'accueillir celui qui prend la troisième place ce soir de cette catégorie production. Merci d'accueillir Paul Reuter. Bonsoir Paul, nouveau podium en catégorie production pour vous après ceux de Bagnol Sabran, ceux de Saint-Jean-du-Gard-Col-Saint-Pierre. Bon, même si vous êtes encore en train de vous faire la voiture à votre main, bon, c'est quand même un bon week-end qui se termine pour vous. Ouais, effectivement, super podium derrière des copains qui vont très 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 vite. Donc voilà, je suis abonné à la troisième place, ça me va, mais j'aimerais quand même essayer au cours de saison d'aller m'intercaler un petit peu, ça serait sympa. En tout cas, je pense qu'il y a du potentiel. Paul, je vais vous laisser monter sur la troisième marche du podium. Et donc c'est Madame Gosset qui va vous remettre le trophée, mon cher Paul. Deuxième de cette catégorie production ce soir, là aussi ça a été très 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 chaud. Je vous demande d'accueillir le champion de France de la montagne en titre, Ronan Garcès. C'est pas évident, c'est surtout que encore une fois comme je le disais tout à l'heure, on va pas le remonter celui-là de trophée, donc faites attention. Ronald, bonsoir, deuxième ce soir de cette catégorie production, on en parlait tout à l'heure, c'est un coup l'un, un coup l'autre, on a l'impression depuis ce début de saison et ça ne promet que du spectacle fabuleux d'ici la fin de l'année. Oui voilà, bon, pour le coup là c'est deux pour lui quand même à la suite. Oui mais ça va, il y a encore d'autres courses quoi je veux dire. Oui oui, pas de problème. Non mais je suis vraiment content du week-end, l'auto a bien fonctionné, la dernière j'ai réussi à faire un temps qui était pas mal, donc oui, je suis satisfait. C'est de bon augure pour vous avec cette nouvelle monture hein, que vous découvrez qui est quand même drastiquement différente par rapport à l'Audi que vous aviez l'année dernière. Oui voilà, comme on disait sur le papier ça c'est similaire mais en fait la conduite c'est très différent. Différents et bien sûr sur des épreuves aussi je dirais différentes les unes que les autres, c'est pas évident de se la mettre à sa main. Ronald Garcès deuxième, qui va avoir l'honneur de lui remettre son trophée, et bien c'est monsieur Bernard Vogel en personne avec la petite photo bien évidemment qui est remise et qui est mise sous cadre d'ailleurs.
profitons-en pour le rappeler. Et puis enfin, je vais vous demander d'accueillir celui qui, ce soir, s'offre sa 5e victoire en championnat de France de la montagne après celle obtenue il y a 3 semaines du côté de Saint-Jean-du-Gard, Côte-Saint-Pierre. Merci de faire un triomphe à Yannick Poncignon. Bonsoir Yannick, félicitations pour cette deuxième victoire d'affilée. Ça fait 2 victoires face à Ronald et sa victoire de Bagnole Sabran. Le match est lancé, le match va durer jusqu'au bout et on a surtout l'impression que cette BMW M3E92, elle a gagné en compétitivité par rapport à l'année dernière. Elle est surtout plus fiable que l'année dernière. Après, en compétitivité, c'est exactement pareil, il n'y a pas eu d'évolution. Sauf que c'est plus fiable. Là, encore un week-end sans mécanique, donc ça fait du bien. On peut se concentrer sur le pilotage. Voilà, on a bien roulé, Ronald a fait un top chrono la dernière, donc la saison va être, ça va donner une belle bagarre toute la saison, c'est cool. On est super content de vous voir avec des voitures vraiment qui marchent bien tous les week-ends, ça fait très très plaisir. Yannick, je vais vous laisser monter sur la plus haute marche du podium et donc c'est Jackie Clément qui va lui remettre son trophée. Félicitations bien sûr Yannick et on va également remettre le trophée Yannick de vainqueur du groupe GTTS ainsi que de la classe GTTS 4 plus la photo, hein, le trophée de vainqueur de groupe et de vainqueur de classe pour Yannick Poncignon, groupe GTTS et classe GTTS4. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le podium production de cette course de côte d'Avrégulaire Saint-Quirin. 1 Poncignon, 2 Garcès, 3 Reuter. Vous pouvez les applaudir comme il faut. Merci beaucoup, messieurs. Alors j'allais dire, je vous laisse, vous pouvez y aller, mais vous êtes chargé là, hein, donc vous allez peut-être devoir faire 2-3 allers-retours. Non, ça va aller, c'est bon. Allez, en trottinette, ouais, bah, ouais. En trottinette 4x4 pour Ronald Garcès. Allez, on va enchaîner avec le podium de la catégorie sport, bien sûr. Mais avant cela, on va accueillir celui qui termine meilleur jeune de cette catégorie sport, comme à Bagnole Sabran, comme au Col Saint-Pierre. Je vous demande d'accueillir Axel Petit. Est-ce que tu pourrais dire que ce sont des pièces de cristal? Oui, oui. C'était la spécialité de la région. Ok, ça va. Axel, bonsoir, félicitations, vous remportez en plus de ça la classe de SC1, gros week-end, vous avez beaucoup travaillé sur la voiture et donc vous êtes dans un premier temps le meilleur jeune de cette catégorie sport ce soir. Ouais, meilleur jeune, je suis content, c'est toujours l'objectif course après course en fait, surtout que le trophée Lionel Régal, c'est quelque chose qui me tient plus à cœur je pense que n'importe quoi d'autre en fait, parce que pour beaucoup de choses. Mais ouais, on a beaucoup travaillé ce week-end, je suis très content. Merci beaucoup à Gilou, à Idriss qui m'a beaucoup aidé et à mon père parce qu'ils me font toujours confiance même quand je fais des petites bêtises. Et donc ça fait plaisir d'être épaulé comme ça. Et du coup, quand on roule, on a de la perf et quand on a de la perf, ben on se fait plaisir. Exactement, ça va effectivement de pair. Axel, je vais vous laisser monter sur le podium et on va donc offrir le trophée de meilleur jeune de la catégorie sport à Axel Petit ainsi que son trophée donc de vainqueur de la classe E2SC1, le trophée de vainqueur de classe E2SC1 et la bouteille de crémant. Bon, ça va arriver, vous pouvez l'applaudir en tout cas. Axel Petit, le meilleur jeune de cette catégorie sport et donc vainqueur de la classe E2SC1. Merci Axel, félicitations. Vous entendez quand je le dis ou pas? Écoutez bien. Passons maintenant au podium scratch de cette catégorie sport. Inutile de vous dire qu'on a vécu un week-end de folie. Inutile de vous dire que l'on a vécu une fin de course complètement dingue. Je crois qu'on sera tous d'accord et vous l'avez tous vécu avec nous. Mais j'aimerais dans un premier temps que l'on accueille celui qui prend ce soir la 3e place. Il est de retour sur un podium du championnat de France de la montagne, Cyril France. Accompagné qui plus est. Eh oui, bonsoir Cyril, félicitations, vous êtes de retour sur un podium du championnat de France de la montagne et ça, ça fait très très plaisir. Vous avez même occupé un temps la tête de cette 50e course de côte d'Abrégivillers Saint-Quirin. Je crois qu'on peut le dire vraiment, les réglages effectués là dans la semaine, le travail effectué avec Benjamin Viedmi, ça a l'air de payer et vous retrouvez enfin une voiture à la hauteur de votre talent.
Je sais pas si c'est à la hauteur du talent, elle a l'air d'être un petit peu mieux que le talent, mais bon, ça on va essayer d'y remédier dans le futur. Ouais, on a fait un super week-end après deux courses vraiment horribles où la voiture était quasi inconduisible. Là, on est monté en puissance tout le week-end. À la dernière, je me suis un peu trop lâché. La voiture m'a échappé dans le gauche de l'arrivée, mais assez violemment. Donc j'ai vraiment été obligé de couper. On a laissé vraiment beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, quand j'ai vu 47-600, je ne pensais pas que c'était mon temps à moi. Je croyais que c'était celui à Fabien qui était devant moi. Donc il y a un énorme potentiel sur la voiture. Avec mon grand âge, il faut que j'arrive à me remettre à remagasiner tout ça pour vraiment retourner devant, parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas aussi près des autres. Et puis tout va bien, on est venu en famille, tout roule. Bah génial, on est super content pour vous. En tout cas, Cyril, je vais vous laisser monter sur la troisième marche du podium. Et donc, eh bien, c'est Irène Henry qui va vous remettre votre trophée, Cyril, ainsi que, bien sûr, la bouteille de crémant des caves de Turckheim. On va accueillir, avant de célébrer l'entièreté de ce podium, celui qui prend ce soir la deuxième place du classement général. Il a récupéré une voiture. Je ne sais même pas s'il a fait 15 km avec ce week-end, tellement il a peu roulé avec cette voiture. Il n'a même pas eu le temps de l'essayer, mais il a quand même fait un week-end énormissime. Je vous demande d'accueillir Fabien Bourgeon. Bonsoir Fabien. Félicitations pour ce week-end, parce qu'il fallait du cran déjà d'oser venir ici même à Bregeviller avec une voiture que vous découvriez totalement. Et surtout, on le rappelle que ce matin, vous avez été le premier à tirer les marrons du feu. Alors après, ça a été un petit peu plus complexe, on va dire. Ça a été en denti, mais quel week-end et quelle impression vous laissez là, Fabien, ce week-end? Ouais, ça a été une semaine de folie entre prendre la décision de faire ça pour ce week-end, pour essayer de maximiser nos chances au championnat pour le reste de la saison, et organiser ça avec my friend Georg. Thank you, Georg. Et voilà, vraiment, honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça. Ça a été hyper dur mentalement parce qu'on n'a pas fait la deuxième, et il fallait faire un bon chrono à la dernière et rouler dans une voiture qui n'est pas à soi, rouler dans ce genre d'auto, faire... Voilà, on a fait 10 bornes, quoi, enfin 15 bornes, 12 bornes. Donc ouais, c'est une super caisse, et voilà, je pense que maintenant je souffle là, elle est là, c'est bon, le week-end est fini, on est content. Bah, on est super content pour vous également, Fabien Bourgeon. Je vais vous laisser monter sur la deuxième marche du podium. L'avantage, c'est que si la voiture elle a été louée au kilométrage, ça va pas lui coûter bien cher, hein, parce qu'effectivement c'est sûr qu'il n'y a pas eu la possibilité de faire de séance d'essai autre que celle du week-end. Et puis enfin, on va accueillir celui qui remporte ce soir la deuxième victoire de sa carrière. Il avait déjà remporté la course de côte de la Pommerée en 2021. Il remporte ce soir la course de côte d'Abrechviller 5-1. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Damien Chambéro. Bonsoir Damien, félicitations, vous êtes le vainqueur de cette 50e course de côte d'Abrechviller 5-1 après la Pommerée l'année dernière. Voici la deuxième victoire en carrière, en plus dans un contexte un petit peu particulier ce week-end. Vous l'avez fait, félicitations Damien, au prix d'une montée de folie qui vous permet d'arracher le record en plus. Quel effort. Ouais, c'était vraiment pas gagné vendredi. Il y avait peu de chances que je sois là. Et, enfin bon, il s'est passé des choses personnelles un peu difficiles. Et puis on a pris la route, on est arrivé à 2h30 du matin, on a fait 4 montées de reconnaissance de nuit. On n'était pas dans les meilleures conditions, mais je suis content, très très content. Je suis content pour l'équipe, les partenaires. On fait un gros boulot depuis le début de saison, et enfin ça paye et ça fait plaisir pour toute l'équipe. Enfin, très très content, 50e édition en plus, première fois ici, et je ne peux pas rêver mieux. Bah, on est super content également pour vous. Enfin, on est content pour vous trois, en fait. On est content pour vous trois. Bravo, Damien. Et un gros bisou à Julia. Ah oui, un gros bisou à Julia. Et oui, bien sûr, qui n'est pas avec nous, mais on a une pensée pour Julia, évidemment. C'est Ju qui va remettre à Damien Chambéro le trophée, bien sûr, de vainqueur de cette course de côte d'Abrechviller 5-1. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le podium de cette 50e course de côte d'Abrechviller 5-1. 1 Damien Chambéro, 2 Fabien Bourgeon, 3 Cyril France. Bravo, messieurs. Et surtout, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. On peut les applaudir comme il se doit. Ils ont fait un travail
extraordinaire. On va également remettre à Damien Chambérot le trophée de vainqueur de la classe E2SC3 en parallèle du trophée de vainqueur du groupe E2SC. J'espère que vous avez 8 bras, mon cher Damien, en tout cas, ou qu'il y a un coffre derrière la Norma pour repartir. Un petit coup de main peut-être éventuellement, donc pour ce ne sera pas de refus. Allez, on peut les applaudir. Bravo. Bravo à tous. Et vivement la prochaine. On rappelle que les trophées, je ne l'ai pas précisé encore à tous les pilotes qui en ont reçu, les trophées sont en cristal, car le cristal, vous le savez, est une des spécialités locales. Et donc ce sont des trophées qui ont été réalisés en cristal spécialement pour l'occasion. Voilà. Ça vous embouche un coin, monsieur Bourgeon ? Absolument. Ah, on est d'accord. Voilà. On est bien d'accord. On va poursuivre cette remise des prix et on va justement consacrer nos amis commissaires. Il y a 3 commissaires à remercier ce week-end. Je vais donc les appeler. J'appelle à mes côtés Thibaut Roux, Adrien Cherrier et Tiffany Spellig, dont c'est l'anniversaire. Donc on peut effectivement le lui fêter à nouveau. Je ne sais pas où vous êtes, amis commissaires. Est-ce que vous êtes dans les parages ? Est-ce qu'ils sont là ? Thibaut, Tiffany et Adrien. Ah ben les voilà. Ils arrivent. On peut les applaudir pour tout le travail qu'ils ont effectué tout au long du week-end. Merci à vous. Et vous allez donc récupérer votre trophée. Vous êtes les commissaires mis en avant ce week-end. On précise que les trophées sont offerts par la Ligue Grand Est du sport automobile. C'est un petit cadeau, effectivement. Et c'est en hommage à votre travail. Un petit mot rapide, comment s'est passé votre week-end ? Ouais, c'était vraiment exceptionnel parce que c'était ma première course de côte. Ça faisait plusieurs fois que je postulais, mais suite aux annulations, j'avais jamais pu y participer. Et voilà, participer du coup à ma première course de côte pour la 50e de celle de la Brèche-Villers, c'était vraiment, vraiment incroyable. Ouais, c'est clair, on peut le comprendre. Tiffany, c'est votre anniversaire, hein, c'est ça ? J'ai cru comprendre, voilà. Bon anniversaire du coup. Oui, merci. Et donc du coup, moi, c'est pas ma première course de côte, mais toujours une si bonne ambiance. Et puis à une prochaine. Hein. Bah, on l'espère, une prochaine aussi. Bah oui, c'était la première fois que je venais, mais je compte bien revenir. Et puis c'était une bonne ambiance, ça s'est super bien passé. On est content en tout cas que tout se soit bien passé. Ça veut dire que nos amis pilotes ont été relativement sages, on en est content. Et on peut encore une fois, s'il vous plaît, applaudir nos amis commissaires. Vous allez pouvoir effectivement regarder, vous mettre un petit peu au milieu de la scène. Comme ça, nos amis photographes vont pouvoir immortaliser effectivement ce moment. Un grand bravo à tous les commissaires, à toutes celles et ceux qui ont œuvré évidemment sur cette course de côte d'Abrecht-Villers 5-1. Merci en tout cas pour votre travail et à très bientôt en tout cas sur peut-être les pentes du championnat de France de la montagne. On va passer maintenant au classement luxembourgeois et on va effectivement accueillir les 3 premiers concurrents au classement général. Celui qui prend la 3e place, c'est un local de l'étape. En plus, je vous demande d'accueillir Roland Trompe. Bonsoir Roland. Félicitations pour cette belle prestation, ce beau week-end. Alors effectivement, devant, ça allait vite. Hein. Ils étaient énervés, les collègues de devant. Mais j'imagine que ça vous fait toujours plaisir de rouler chez vous et de pouvoir performer ici à Abrecht-Villers. Oui, forcément, je suis un petit peu chez moi là. C'est mon jardin et puis bon, ça fait bien longtemps que je cours. Puis je suis toujours ravi de faire une bonne prestation et en l'occurrence, celle-là. Donc troisième, c'était presque inespéré parce que c'était en bagarre avec 2 Luxembourgeois, plus un Allemand. Donc tantôt c'était lui, tantôt c'était moi. Et au final, ça s'est joué très très serré, mais c'est bien. Je suis content d'être sur le podium. On est content pour vous, en tout cas à domicile. On rappelle que Roland est un pur Mosellan et qu'effectivement, il roule sur le classement luxembourgeois pour des questions notamment de réglementation. On va remettre évidemment le trophée à Roland et on va continuer sur ce podium et on va accueillir celui qui prend la 2e place du classement général. J'espère qu'il est à nos côtés. C'est Daniel Donkels. Vous voulez pas l'applaudir, non ? Ah, je sais pas, applaudissez-le quand même, non ? Daniel Donkels, est-ce qu'il est à nos côtés, Daniel ? Il n'est pas là. Bon, on lui remettra son trophée ultérieurement. Et enfin, on va accueillir celui qui remporte cette fois-ci cette manche luxembourgeoise. C'est Michele Fattorini. Excuse me, I'm Italian. Tu parles français ? Excuse me. No, zero. English ? No, poco. Italian. Okay. Bon, oui, je parle pas italien, il parle pas anglais, il parle pas français. Bon, vous l'avez compris, on va l'applaudir. Ça, c'est universel. J'aimerais bien lui poser plein de questions, mais voilà, bon. Moi, je sais dire Charles Leclerc, moi, en italien, c'est tout.
C'est déjà bien, Marc, c'est déjà pas mal. On peut les applaudir. Michele Fattorini, vainqueur de cette manche luxembourgeoise devant Daniel Donkels, pour qui nous avons une pensée. Donc, Roland Trompe, merci à tous les trois. Grazie mille. Grazie. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Ah, de rien. Merci en tout cas. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet de cette épreuve française cette fois-ci. Et on va donc célébrer, je dirais, les vainqueurs de groupe et de classe, justement. On va commencer par le groupe F2000. Et je vais vous demander d'accueillir tout de suite celui qui remporte le groupe F2000 ainsi que la classe F2-3. Il aura donc deux trophées à son actif. C'est Nicolas Weisbecker. Ah, je cherchais du mauvais côté, Nicolas. Félicitations, Nicolas. Vous remportez le groupe F2000 au prix d'une grosse bagarre avec Christian Blonger, vainqueur de classe également. Week-end parfait pour revenir à la compétition, Nicolas. Un week-end parfait, même quand on casse le cardan en pré-gris, finalement ça se passe bien, on arrive à réparer. Donc vraiment super, l'auto a très bien marché, on a vraiment bien travaillé avec l'équipe. Guy Poinsignon me fait le moteur, ça a marché du feu de Dieu, c'est vraiment super. Oh, super, on est très très content en tout cas de cette performance, en sachant qu'on va vous retrouver en plus un petit peu plus tard cette saison. Nicolas, je vous laisse savourer, monter sur la plus haute marche du podium et recevoir donc votre trophée de vainqueur de groupe ainsi que le trophée de vainqueur de classe pour ce qui est de la classe F2-3. Vous pouvez l'applaudir, Nicolas Weisbecker. Merci. Tu peux disposer. On va enchaîner avec la classe F2-2 cette fois-ci. Et on va accueillir un local, quand même, on peut le dire. Il porte les couleurs des ambulances Madère. Je vous demande d'accueillir le vainqueur de cette classe, c'est Ludwig Klein. Allez, Ludo, qui va recevoir le trophée de vainqueur de classe F2-2. Félicitations Ludo pour ce gros week-end. Alors certes, le groupe F2000 n'était pas très peuplé, mais je crois que vous aviez le soutien de vos collègues, de toute l'équipe là, et ça a dû vous faire très plaisir. Oui, voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'ils sont là, ils soutiennent, ils aident même quand il faut pousser, etc. Donc non, ça fait plaisir, ouais, c'est sympa. On est super content en tout cas pour vous. Je vous laisse monter sur la plus haute marche du podium et vous allez retrouver votre trophée de vainqueur de classe. C'est pas vainqueur de groupe ça ? Autant pour moi. C'est moi qui dis des bêtises. Je préférais vérifier, hein. Ne m'en voulez pas. Je préférais être sûr. Ludovic Klein, le vainqueur de la classe F2-2. Pardon. Merci beaucoup Ludovic. Et on se voit à Turkheim, un truc comme ça. Certainement même avant, peut-être, sait-on jamais. Merci beaucoup en tout cas Ludovic. Je vais laisser la place au seul, au grandissime, à l'unique, au Michel Drucker de France 3 Alsace. Didier Omer, s'il vous plaît. Non, pas France 3 Alsace d'ailleurs, France 3, comment on dit ? Grand Est, voilà, France 3 Grand Est. Il y a qu'un micro là qui marche plus, voilà. Merci, bonsoir à tous, honoré de cette remise de prix. On va passer très rapidement aux différentes classes, et notamment la classe GTTS classe 3, et appelée à nos côtés Cyril André avec cette auto exceptionnelle. Cyril André avec l'Opel Astra TCR, bravo Cyril. Cyril, alors c'est une auto unique, hein, cette auto, on l'a découverte en même temps, bien sûr, avec cette crise sanitaire, on n'a pas vu voir beaucoup d'autos, mais là, cette Astra, elle est fabuleuse. Ouais, c'est une super auto qu'un ami me prête pour l'année, donc je le remercie vraiment, parce que c'est un super cadeau qu'il me fait. Hein. Ouais, c'est un bon ami, hein. Prêter une auto comme ça, c'est plutôt sympa. Oui, c'est un partenaire de longue date, et c'est vrai qu'il me fait confiance pour la faire découvrir en course de côte, cette auto. Alors on va saluer le second de cette classe aussi, c'est Stéphane Garcia. Il a déjà été récompensé, donc les applaudissements lui seront portés à Stéphane. Merci Cyril, donc vainqueur de classe. Voici le trophée et vos applaudissements pour le pilote de l'Opel Astra. Merci. Bravo, merci Cyril. Deuxième de la classe GTTS, vos applaudissements seront rapportés à Jean-Michel Godet sur le midjet. Et le vainqueur, bah vous allez venir tous les deux parce que vous êtes inséparables, mais le vainqueur de classe, vos applaudissements pour Jean-Michel Lestienne. Bravo Jean-Michel.
Inséparables tous les deux, hein. Un des amis fidèles, vous êtes là tous les deux pour vos deux premières places de cette catégorie, deux places sur les quatre partants. Jean-Michel, où vas-tu t'arrêter? Je ne sais pas encore, à l'EHPAD peut-être. En tout cas, tu assures. J'essaye. Merci. Merci Jean-Michel, donc vainqueur de la classe. Alors pour la mémoire, tu recevras une petite enveloppe Jean-Michel, mais le vainqueur de classe va monter sur la plus haute marche, il va t'accompagner, mais voici, tu peux monter à côté. Voilà, pour la photo, Jean-Michel Lestienne, vainqueur de classe, est à ses côtés. Jean-Michel Godet. Merci, merci Jean-Michel. Allez, voilà pour le groupe GTTS. Les autres ont été déjà récompensés avec le classement Scratch. Le N. Allez, le podium du groupe N, troisième du podium du groupe N, Alexandre Garnier, troisième du groupe Alexandre Garnier, deuxième Gaëtan Janel et le vainqueur de groupe Sébastien Lemaire. Voilà Sébastien qui va recevoir un trophée, le vainqueur. Allez. Le vainqueur de groupe, Sébastien, une nouvelle fois performeur. Ça n'a pas été simple non plus. Hein. Il y a eu une grosse bagarre ce week-end, un coup de dixième à chaque montée. Et puis la victoire est arrivée à la dernière, donc c'est un week-end parfait. Avec un Gaëtan Janel qui est là. Gaëtan Janel qui, pour son retour à la compétition après cette crise, après deux ans avec le casque posé, a fait du bien aussi hein, dans ce challenge. Oui, ça a fait du bien, il a été très performant. Et puis j'espère que je le reverrai cette année dans le championnat. L'invitation est lancée, les applaudissements rapportés donc à ses concurrents du groupe N, Sébastien Lemaire, Gaëtan Chenel et Alexandre Garnier. Voilà pour le podium. Sébastien Lemaire, merci. Allez, dans la classe N3, on va récompenser le vainqueur de classe, c'est une affaire de famille, Valentin Lemaire sur la Clio. Valentin qui est allé aussi de sa petite figure durant la montée. Rappelons ses bons souvenirs, mais voilà, il est allé au bout sous l'objectif de la maman, Valentin Lemaire sur la Clio. Bravo Valentin, une de plus encore. Ouais, merci, ça fait plaisir. Après toutes les péripéties qu'on a déjà eues à Brèche, une très bonne voiture avec un très bon moteur, grâce à Fabrice que je remercie, qui l'a préparé à l'intersaison. Donc ouais, très content, très bon début de saison. Voilà. Voilà, Fabrice qui est le tonton, qui est deuxième, il prépare les autos mais il n'arrive pas à battre le nœud, c'est comme ça. Voilà, c'est toute l'écurie du Donon qui est récompensée aussi à travers ce podium et cette victoire de classe pour Valentin Lemaire. Vos applaudissements, merci. On remonte le classement avec, avec la classe N2, le second Sébastien Pichol. Vos applaudissements et on va appeler le vainqueur de cette classe N2, Julien Nouveau. Julien Nouveau, vainqueur de la N2. Julien. Nouveau, les applaudissements lui seront rapportés. La classe N1, la petite caisse, les petites roues, le petit moteur, mais alors putain de gros cœur, pardonnez-moi cette expression. Eh bien, les applaudissements pour celui qui avait déjà débuté la saison dans le baquet de droite en tant que navigateur sur différentes épreuves, sur différents rallyes de la région. Aujourd'hui, pour la première fois, il est derrière le volant et ça lui réussit. Vainqueur de la N1, Emmanuel Buche. Et c'est toute la Alsace qui s'enorgueillit. Bravo Manu, voilà, aux félicitations. Voilà, tiens, tu vas monter sur le podium et recevoir. Donc vainqueur de la N1. Vainqueur de la N1. Manu, voilà, ça s'impose. Manu, c'est pas évident hein, de passer du baquet de droite au baquet derrière le volant, mais tu l'as fait avec une certaine réussite. Ouais, ça va, je m'adapte. Je préfère être derrière le volant quand même. Ouais, alors, prochain rendez-vous. Stage. Stage by stage, bien sûr, hein, dans trois semaines. Avec, et est-ce qu'on verra Amélie aussi au volant cette année? Non, pas sûr, non. Non. Elle a, Qu'elle allait plus vite que toi? Non, même pas. Non. Non, même pas. Merci Manu Buche, vainqueur de la petite classe, la classe N1. Merci de ces applaudissements. «
Allez, merci Didier, on va vous retrouver dans quelques instants pour la suite de cette remise des prix. On va passer au groupe A maintenant et on va accueillir tout de suite en saluant bien sûr ceux qui prennent la troisième et la deuxième place, c'est-à-dire Stéphane Martinet et Julien Paget. Je vous demande d'accueillir en tout cas le vainqueur du groupe A et de la classe A5, nouveau recordman d'ailleurs de la classe A5 en ce qui concerne ce tracé, monsieur Nicolas Garnier. Félicitations Nicolas, vainqueur de groupe, vainqueur de classe, nouveau recordman du tracé pour ce qui était très certainement votre première venue qui plus est ici et en plus avec la voiture. Bref, week-end parfait Nico. Week-end parfait effectivement, sous le soleil, donc on s'attendait à avoir des conditions un peu difficiles et au final le soleil, le record, la victoire, le top. Après je dirais le coup de moins bien entre guillemets du Col de Saint-Pierre, mais qui s'était tout de même terminé par la victoire dans le groupe 3. Nicolas, je vais vous laisser monter sur la plus haute marche du podium et vous allez donc recevoir votre trophée de vainqueur de groupe et le trophée de vainqueur de classe. Nicolas Granier, vainqueur du groupe A, vous pouvez l'applaudir. Et vainqueur de la classe A5. Qui plus est, merci Nico et à très bientôt. On va enchaîner avec la classe A1 maintenant, puisque nous allons appeler celui qui s'y impose. C'est Thibaut Schmitt. Thibaut Schmitt, est-ce que Thibaut Schmitt est avec nous? Thibaut Schmitt une fois, Thibaut Schmitt deux fois, Thibaut Schmitt trois fois. Allez, on mettra de côté. On passe à la classe A3, grosse bagarre là aussi dans la classe A3. Et au final, il y a un vainqueur et son nom, c'est Sébastien Stark. Je vous demande de l'accueillir. Bravo Sébastien, vainqueur de la classe A3, venez avec moi mon ami, venez avec moi mon cher Sébastien. Félicitations pour cette victoire, belle bagarre aussi hein, avec Fabrice Rama notamment, alors que le trophée est déjà né, le trophée de vainqueur de classe. Mais en tout cas c'est un résultat qui va vous permettre de repartir de l'avant après le Col de Saint-Pierre. Oui exactement, après un petit week-end frustrant à Saint-Jean-du-Gard, vu avec la petite floche que j'ai fait à la première montée de course, c'est un super résultat avec un très très beau week-end. Une super organisation et puis surtout des très bons moments passés avec les amis du Goom Racing Club que je salue vraiment beaucoup. Et puis aussi, petite émotion avec le retour de Coco au premier plan, ça fait toujours plaisir aussi. Quoi. C'est clair, Corentin Stark, on en reparlera dans quelques instants, il a fait vraiment un très très gros travail. Bravo Sébastien, je vais vous laisser moncer sur la plus haute marche du podium. Sébastien Stark, le vainqueur de la classe A3. Bravo. Et merci la Belgique, merci de venir nous voir, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir les amis. On va parler maintenant de la classe A4 justement et on va accueillir celui qui a pris la deuxième place du groupe A en l'occurrence et donc la victoire dans cette classe, s'il est à nos côtés, c'est Julien Paget. Il est là Julien, il était caché, je ne voyais pas. Félicitations Julien, gros week-end là encore, ça s'est pas joué à grand chose hein, finalement sur le classement général du groupe A, mais en tout cas dans la classe A4, victoire nette et sans bavure Julien. Oui dans la classe c'était bien, après au groupe c'était compliqué avec les Seat quoi, c'était pas possible de jouer devant plus que ça. Bon, c'est quand même un gros week-end, on peut le dire, et on vous retrouvera de toute façon tout au long de la saison, Julien. Vous qui revenez après une petite mésaventure du côté de Turckheim 3 épis, effectivement une belle mésaventure même. Julien Paget, vainqueur de la classe A4, vous pouvez l'applaudir. On se retrouvera dans quelques instants, bien sûr, pour la suite des opérations, mais dans un premier temps, je vais rendre le micro à l'ami Didier. Allez, avec le groupe GT, un beau vainqueur. Beau vainqueur parce que dans une épreuve de la Ligue Grand Est, il avait connu quelques déboires, on s'en souvient. Eh bien, il a su trouver la bonne mesure, trouver les bons réglages, trouver ce qu'il fallait pour monter une auto et être à nouveau performant. Vainqueur du groupe GT, vos applaudissements et vainqueur de la classe 2, Anthony Dubois. Oui, Anthony, voilà, on va pas revenir, on va pas refaire l'histoire, hein, ce qui s'est passé à Turckheim, mais un coup de chapeau, parce que renouer avec la compétition et faire ce que tu as fait là, c'est quand même exceptionnel. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Gabriel, qui est présent ce week-end, parce qu'il m'a beaucoup aidé sur le remontage de l'auto et toutes les personnes qui ont participé à ça, les partenaires, tout ça, et renouer avec la victoire, ça fait du bien. Merci, Anthony, donc qui reçoit deux trophées, deux vainqueurs de groupe.
et de vainqueur de classe, le pilote performant avec la 110, l'Alpine. Voilà, l'Alpine est à la fête. Bravo, vos applaudissements pour Anthony Duward, s'il vous plaît. Deuxième de ce groupe, Francis Dozière. Troisième, Joël Richard. Et puis on va demander pour la classe GT, classe 1, d'accueillir Élodie Lafosse. Élodie Lafosse, lauréate avec la Lotus. Allez, voilà, Élodie, je vais vous inviter à monter sur le podium. Élodie, félicitations. Pas été simple hein, de trouver le bon rendement, mais voilà, une progression constante durant le week-end. Non, depuis le début, ça n'a vraiment pas été simple. J'ai cassé le moteur au col Saint-Pierre et on a tout remonté en une semaine et demie. Et arrivé là, on a eu encore plein de soucis. Et ça a duré encore toute la journée. J'ai vraiment eu que la dernière montée où vraiment j'ai pu tester la voiture réellement et ça va. Ça va, bah voilà, c'est ce qu'on voulait entendre, ça va. Elle reçoit, Élodie, le trophée de la classe GT1 et puis des encouragements du public pour continuer pour la fin de la saison avec une photo et également un souvenir. Bravo Élodie, bravo, félicitations. Ouais, mais on fait une feuille par une. Ça en est dans l'ordre. Allez, on va enchaîner avec le groupe FC. Le groupe FC qui a été vraiment le théâtre, là encore, d'une bagarre de folie. Et je vais vous demander d'accueillir tout simplement celui qui remporte le groupe FC et la classe FC4. Merci de faire un triomphe pour Christophe Poincignon. En famille. Bravo Christophe. Encore un gros week-end et de gros chronos. Et puis, j'imagine que ça doit vous faire quand même très plaisir de voir que Mathieu a réussi à réparer, qu'il est venu ce week-end, que vous vous êtes battu quand même tout au long du week-end, parce que c'est ça qu'on aime quand même dans ce groupe FC. Ah ouais, moi, pour moi, mon côté, super content. Je descends deux secondes mes temps. Chapeau à Mathieu, il fait une grosse sortie au Saint-Pierre. Il bosse pendant 15 jours sur la voiture. Il arrive là, hier, il a eu un gros souci de freinage. Il ne connaît pas la route et il fait un très très bon temps. Donc, chapeau à lui. C'est vraiment, franchement top. Vous concernant, ça y est, hein, c'est un peu comme avec Yannick, la fiabilité elle est là. Et à partir du moment où la fiabilité elle est là, le mix entre un Poincignon et une bonne auto, ça fait mal quand même. Ouais, donc oui, on est vraiment content. Merci à notre père parce qu'il, je vous jure qu'il arrête vraiment pas. Les voitures sont fiables. Quand c'est fiable, ça paye. On fait des bons temps et on s'éclate. C'est vraiment ça qui est bien. C'est ce qu'on adore voir. En tout cas, Christophe Poincignon, le vainqueur du groupe FC de la classe FC4. Vous pouvez l'applaudir, bien évidemment. Il sera évidemment un candidat à sa propre succession. Troisième du classement général du championnat de France de la montagne, rappelons-le, en 2021. Merci Christophe et on se voit fort bientôt, mon cher. À très très vite. Passons maintenant à la classe FC2 et on va accueillir justement celui qui remporte cette classe FC2. S'il est à nos côtés, bien sûr, il est le bienvenu. C'est Pierre Bukowski. Il est là, super. Bonsoir Pierre, retour à la compétition. Alors non, ça sert à rien de se mettre comme ça, on va se mettre là. Quand même, histoire qu'on ait des fans, quoi, hein, un minimum. Bon, Pierre, c'était le retour à la compétition ce week-end. Ça se termine par une victoire de classe. Ça s'est plutôt bien passé pour vous? Oui, ça s'est bien passé. Et puis, j'ai toute ma famille qui est là. Et puis, ça m'a fait très plaisir de remporter la victoire de classe et troisième du groupe. Ça m'a fait très, très, très plaisir. Oui, exactement. Troisième de groupe aussi, effectivement. Je ne le citais pas, mais c'est vrai. Troisième place de groupe. Bravo à vous, Pierre. On va vous doter, bien sûr, de votre trophée de vainqueur de classe. Et vous allez, Pierre, eh bien, monter sur la plus haute marche du podium. Bien sûr, vous allez en profiter. C'est votre moment. Pierre Bukowski, mesdames et messieurs, vainqueur de la classe FC2. Bravo Pierre, félicitations. Et enfin, on va accueillir, s'il est à nos côtés, le vainqueur de la classe FC3. Il y a eu une belle bagarre avec Pierre Bukowski, d'ailleurs, pour la troisième place du groupe. C'est Dominique Lansard. Est-ce qu'il est là, Dominique Lansard? Dominique, une fois, deux fois. Ah, mais il est là. Non, 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 mais ça va pas, ça, Dominique. Faut arrêter de me faire des blagues comme ça. Faut faire le tour comme tout le monde. Bon, Dominique, je le disais, belle bagarre avec Pierre hein, pour la troisième place du groupe. Vous l'aviez, cette troisième place. Pierre l'a récupérée. Mais grosso modo, vous avez passé un bon week-end, j'imagine. Un très bon week-end ouais, pour la deuxième course que je fais cette année. C'est très bien, quoi. Avec ma vieille 205, ça va, quoi. Hein. Elle est toujours dans le coup. Toujours dans le coup. Un petit mot sur les pertes de Cédric, hein, quand même, avec sa nouvelle voiture, qui fait un gros travail, quand même, hein, on peut le dire. Il a fait un excellent travail de
dessus. Il a travaillé pendant 2 ans. Donc, il mérite hein, quand même. C'est vraiment parfait. Ça. C'est clair, la position de classe est un petit peu particulière, ne permet pas de se rendre compte vraiment au classement général, mais ça ne saurait tarder, clairement. Dominique Lansard, je vais vous laisser monter sur le podium, mon cher Dominique, sur la plus haute marche du podium, et recevoir votre trophée de vainqueur de la classe FC3, ainsi qu'une photo sous cadre. Voilà, c'est le petit cadeau qui est offert à Dominique Lansard. Vous pouvez l'applaudir, Dominique Lansard. Merci beaucoup, Dominique. Didier, je vais vous laisser poursuivre cette remise des prix. Oui, avec ce que l'on appelle familièrement les monoplaces, le groupe DE. Et un vainqueur qui a livré bataille, qui a rendu coup pour coup à Marc Pernaud, le vainqueur de ce groupe DE, vainqueur également de la classe DE classe 4, le Meusien, vainqueur de la Coupe de France il y a quelques mois, Pierre Maillard. Le voici, le voilà, il fend la foule, Pierre, félicité par Roland Trompe. Voilà, le voici, le voilà, Pierre Maillard, le pilote meusien qui reçoit les félicitations de notre, de mon confrère Pierre Barret. Bravo. Ouais, ouais. Voilà, félicitations, donc vainqueur de groupe et vainqueur de classe pour Pierre Maillard. Voilà, Pierre. Un beau mano à mano, un beau duo hein, aujourd'hui avec Marc Pernaud. Merci. Ah oui, déjà le week-end était très très mal engagé, en panne avec la voiture, en panne avec le camping-car. Donc bon, on a réussi à solutionner la voiture, donc faire ce chrono-là, c'est que du bonus quoi. J'étais vraiment pas là pour faire ces temps-là quoi. Hein. C'est ma deuxième course, donc mes félicitations à Marc qui fait sacré perf aussi. Ouais, la première s'était soldée par un problème mécanique. Là, aller au bout et monter sur la plus haute marche, c'est quand même juste ici. Félicitations. Félicitations à ce jeune pilote meusien prometteur. Pierre Maillard qui reçoit photo, trophée de groupe et trophée de classe. Pour mémoire, on va saluer Arnaud Chelet qui est troisième et Marc Pernaud qui est second. Allez, la classe DE1 avec une des toutes petites cylindrées de ce groupe. Ça sur la formule BMW, c'est Dominique Gozzi. Dominique Gozzi, voilà, récompensé. Il est heureux, Dominique. Il est là en famille. Voilà. Il est heureux. Merci, bravo, Dominique. Bravo, merci. Félicité, là, il y a du sourire, il la pêche. Dominique, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je voudrais dire simplement, à pêche, c'est que du bonheur. Coca, c'est une organisation top. Et puis, Nancy, je t'aime. Oh, c'est beau. Séquence émotion. Allez, le trophée de la classe pour Dominique Gozzi. Tiens, qui était remis par la fille de Christophe Henry. Oui. Merci. Félicitations. Voilà, 12,50. On cherchait la cylindrée. Merci. Ah, ça fait du bien. Il y a du sourire. Et on s'aime. Allez, on s'aime. Attends, chérie. Ça, c'est, je fais. Voilà. Allez. On va passer à la classe 2 du groupe DE et un pilote expérimenté. Vos applaudissements très nourris pour le pilote de la Dugan Motor BMW, Roland Perrin. Ouais. Nouvelle ligne à son palmarès, Roland Perrin. Oh Roland, il est obligé de rajouter une pièce supplémentaire, je pense, pour la collection de trophées récoltés tout au long de sa carrière. Eh bien écoutez, ces applaudissements lui seront rapportés à Roland. La classe DE7 avec les pilotes de Formule Renault. Clin d'œil et applaudissements à rapporter Antoine Uny qui s'incline sur le fil. Et les applaudissements très nourris pour le vainqueur de la classe DE7, Baptiste Tonnier-Bruchet. Baptiste, la classe DE7 hein, qui était forte de 7, je t'invite à monter sur la marche du podium pour honorer les partenaires, une classe toujours fournie et un super week-end. Ouais, vraiment un super week-end, surtout c'était que mon premier week-end de course, donc j'avais à cœur de bien faire les choses et c'est une super récompense pour toute l'équipe Helium Racing qui a fait un travail fantastique sur la voiture et puis pour mes partenaires qui me permettent d'être présent cette année. Voilà la suite du programme.
la suite du Pomme-Ram à la Pommeraie, et puis après on verra. D'accord, merci. Le vainqueur de la classe DE7, la classe des Formules Renault, Baptiste Tonnier-Boucher. Et on va terminer cette série. Là, on va terminer cette série avec la classe DE, classe 5S, avec, mais j'ai vu le camion partir, avec Arnaud Chollet, vainqueur de la classe DE 5S sur la Mercedes. Il est là, Arnaud. J'ai vu le camion partir, je me suis dit peut-être qu'on a... Voilà, bravo Arnaud. Félicitations, qui monte sur la plus haute marche du podium de cette classe. Très disputée, hein, 6 partants. Et puis une belle bataille avec Samuel aussi. Hein. Oui, oui, un beau week-end, une reprise pour moi depuis Turkheim. Donc c'était un peu difficile hier. Mais on a réussi à pas mal rouler aujourd'hui. Je féliciterai aussi mon père. Il est reparti là, mais il a fait des chronos. Il va de plus en plus vite, il va falloir qu'on commence à s'inquiéter. La suite Peut-être Beaujolais, mais c'est pas dit, un peu trop de travail avec ART, et du coup ça passe toujours en même temps que les week-ends de Viafan, etc. Donc peut-être Beaujolais, mais pas avant, c'est sûr. Merci, les applaudissements pour Arnaud Chollet, vainqueur de la classe DE5S. Voilà, et puis la classe, on va terminer avec la classe DE, classe 6. Et on va saluer la deuxième place d'Antoine Lombardo et accueillir sur ce podium Bruno Cazzoli. Bruno Cazzoli. Voilà, il fend la foule, il était au milieu de ses amis supporters, toute l'équipe. Bruno Cazzoli avec la Lola F3000. L'auto, le 3D qui a hurlé mais qui a bien fait les choses. Bruno, vainqueur de la classe DE6 face à Antoine Lombardo. Un bon week-end. Très beau week-end. Très beau. Tu reviendras? Oui, bien sûr. Allez, les applaudissements, on l'invite à monter sur la plus haute marge du podium et qui reçoit le trophée de classe. Allez, photo et les applaudissements. Merci mon cher Didier, et merci d'ailleurs à tous les pensionnaires de la classe DE6, parce que quand même on aime bien les F3000, ça fait un beau bruit, je dis ça, c'est quand même pas trop mal, hein, on est d'accord, on adore ça, je crois que monsieur Rigal ici présent acquiesce, hein, on est bien d'accord. Allez, on va enchaîner avec... Permets-moi, parce que j'ai beaucoup côtoyé Lio, je voulais pas le faire, mais voilà, j'ai envie de montrer à son frangin que j'ai gardé un très bon souvenir. Ah oui, c'est vrai, non, il va pas se mettre à poil, hein, je vous rassure. Oh pauvre, j'avais pas eu le podium. Voilà, le t-shirt de l'équipe Régal. Ah, on peut applaudir encore, on peut applaudir le team Régal. Il l'a toujours à nos côtés. Eh oui, ça sera pour toujours comme cela. Passons maintenant au groupe CN dans cette remise des prix. Avant cela, je voulais juste dire, vu que la radio est diffusée dans le parc, que l'organisation est à la recherche de la radio numéro 3. La radio numéro 3, si vous l'avez, merci de la ramener au collège des commissaires. Dans le groupe CN, on va avoir une pensée pour Olivier Béreur et Étienne Pernaud. Étienne Pernaud, on l'accueillera tout à l'heure, tout comme Olivier Béreur, s'ils sont là. Mais dans un premier temps, on accueille le vainqueur du groupe CN et le vainqueur de la classe CN+, s'il est avec nous, Kevin Petit. Ah, pour une fois il est là. On va applaudir deux fois parce que non seulement il est à récompenser, mais en plus de ça, eh bien il est là. On va l'applaudir encore s'il vous plaît. Non, je rigole. Bravo Kevin. Vainqueur de ce groupe CN, de cette classe CN+. Bon, on a l'impression que les choses sont redevenues sur les rails et vous avez pu travailler avec toute votre équipe, votre double équipe même, on peut le dire. Et ça a l'air de plutôt très très bien se passer pour vous. Ouais, là franchement, ça a été un week-end de guerre. On a travaillé tout le week-end, on n'a pas arrêté. On n'a pas eu le temps de travailler sur le pilotage, comme j'aurais voulu. Mais on sort de beaucoup d'heures de mécanique pendant les deux semaines. J'ai vraiment pu compter sur le soutien d'Helium et puis du SLR. Que je remercie toute l'équipe, tous, parce que sans eux, jamais j'aurais pu faire toutes les montées. Et là, on a eu quand même cette chance et c'est énorme pour moi puisqu'on marque quand même des points solides. Et puis, on se met en confiance pour les courses qui restent. Juste un petit mot pour la famille Kotler qui m'ont sauvé les deux premières courses, voire même celle-ci. À Nicolas Petit qui m'a ramené des pièces et puis à ma famille, Seb, et toute l'équipe du Team Petit qui m'ont aussi prêté une pièce ce week-end et m'ont sauvé le week-end. Ah bah, c'est clair, c'est la belle union, on va dire, du sport automobile qui est à récompenser ce soir. Kevin, je vais vous laisser monter sur la plus haute marche du podium et vous allez donc recevoir votre trophée de vainqueur de groupe et de vainqueur de classe. Kevin Petit, vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs.
Ah oui, avec une main et demie, c'est pas évident. Ça va le faire. Merci Kevin et à très bientôt. On va passer maintenant à la classe CM puisque nous allons consacrer enfin, eh bien, ce garçon en qualité de vainqueur de la classe CM, Maxime Dojard. Bonsoir Maxime, félicitations, victoire de classe enfin avec ce Trackinger saison 1B qui aurait été compliqué à prendre en main, à adapter à votre pilotage, mais je crois que le résultat de ce soir prouve que pour l'instant tout est sur les rails. Ouais, ça a été compliqué en début d'année pour retrouver les sensations du châssis de l'année dernière. On a bien bossé avec toute l'équipe de chez Bourgeon que je remercie. Franchement, l'auto est juste géniale. Et ouais, on est vraiment dans le coup. Je crois qu'on est à quelques millièmes du record de Fabien. Il n'aura pas manqué beaucoup. Donc non, super. Et hâte des prochaines confrontations pour retrouver Yves et voir si on peut enfin arriver à se batailler, quoi. Bah, pour être honnête avec vous, question record, on était avec Geoffrey Schatz hein, là-bas pendant la dernière montée. On s'est beaucoup posé la question. Question de savoir si ça allait tomber ou pas. Je vous laisse monter sur la plus haute marche du podium. Maxime Dojard, le vainqueur de la classe CM. Vous pouvez l'applaudir. Bravo Maxime. À très bientôt. On va enchaîner avec la classe CN1. Et là aussi, il y a un vainqueur à célébrer. C'est un vainqueur local. Qui plus est, je vous demande d'accueillir s'il est à nos côtés, Olivier Johan. Il est là. On l'avait pas vu. Bonsoir Olivier, félicitations à la maison, première sortie ici avec cette voiture parce que vous l'aviez acquise l'année dernière, si je dis pas de bêtises, donc forcément c'était la première fois. Quel bonheur de gagner votre classe chez vous. Bah, c'était un peu de la galère hein, vis-à-vis de la boîte de vitesse, maintenant ça fonctionne, je suis content. Bon. L'avantage c'est que vous n'allez pas mettre trop longtemps sur la route pour rentrer à la maison. Non. Combien de mètres on a dit du départ? On va dire 15 mètres. On va dire 15 mètres. Il a dit 153, Didier. Tout le week-end, il a dit qu'il avait 153. Alors. Depuis le départ, oui. Voilà. Par contre, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais remercier les membres du COCA pour le boulot de dingue qu'ils ont fait ce week-end. Et les commissaires, en particulier l'arrivée. Ah ben on peut les saluer à nouveau, l'équipe du COCA, organisatrice de cette course de côte d'Abrézuillers 5 ans et bien sûr les commissaires. Olivier Johan, vous allez récupérer, mon cher Olivier, votre trophée de vainqueur de classe. Et montez sur la plus haute marche du podium quand même, la photo. Olivier, voyons. Mais quelle mouche te pique. Voilà. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Essuie-glace sur les lunettes, ça sera pratique. Voilà, mais on n'avait pas vu assez de champagne hein, ici, sur cette zone de podium. Eh bien, c'est désormais fait. Passons à la classe CN2. On va accueillir celui qui a fait un week-end de folie, évidemment. Il a terminé deuxième de ce groupe CN, vainqueur du CN2 et nouveau recordman d'ailleurs du CN2. Je vous demande d'accueillir Étienne Pernaud. Bonsoir Étienne, bravo, encore un week-end de fou, un week-end de folie, ça se passe de la meilleure des manières et puis des chronos juste dingues. Étienne, bravo. Oui, donc un bon week-end, un début de dimanche compliqué, les deux premières montées assez loin de mes temps d'essai, pas vraiment content de l'auto, et dernière montée géniale, un super grip et qui permet de faire le record. Ouais. Fabuleux, fabuleux, fabuleux ce record que détenait Kevin Duro, ça datait de 2018, et bien c'est désormais marqué Étienne Pernaud dans mon fichier Excel. Voilà. Étienne, vous allez monter sur la plus haute marche du podium et recevoir votre trophée de vainqueur de classe. Étienne Pernaud, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La famille Pernaud qui assure sous tous les tableaux pour le coup. Merci en tout cas Étienne. Et puis dans ce groupe CN et dans cette classe CN3 très précisément, je n'ai pas vu. On va accueillir ou à défaut le citer si il n'est pas avec nous. Le vainqueur de la classe CN3, c'est Olivier Behrer. Est-ce qu'il est là Olivier? Olivier Behrer. Olivier Behrer une fois, deux fois, trois fois, adjugé. T'as plus de feuilles toi du coup? Non, moi j'ai juste trois mots à dire. Mais ouais, mais après. Je tourne les feuilles, mais c'est les feuilles qui veulent plus tourner.
C'est la fin du week-end. Allez, on va clôturer dans quelques instants cette remise des prix. On va s'intéresser avant cela au groupe E2SC. Si nous avons déjà sanctionné le podium Scratch, on va quand même s'intéresser un petit peu plus près à toutes les classes. Et on va accueillir dans un premier temps celui qui s'impose dans la classe E2SC 2. Il a fait un super boulot. C'est Corentin Stark. Bonsoir Corentin, bravo pour cette victoire de classe en E2SC2. C'était comment on va dire, il y avait peut-être pas autant de concurrence que d'habitude. Par contre, moi j'aimerais souligner quand même les chronos signés notamment dans la dernière montée avec on joue dans les E2SC3, c'est énorme Corentin ce que vous faites. Ouais, c'est un peu le but en fait, on veut se rapprocher le plus près possible des gros cylindrés et là aujourd'hui, je pense que c'est peut-être la course la plus aboutie que j'ai fait avec l'Autos depuis le début de l'année et c'est bien, ça fait des temps. Et oui, vous aviez fait le choix du 1 litre 2 turbo face au 1 litre 7 turbo ou au V8. Pour l'instant, ça a l'air de payer. Bon, quels sont les objectifs maintenant d'ici la fin de la saison, Corentin? Je pense que si j'arrive à faire régulièrement proche du top 5 ou dans le top 5, ce serait top. Ça serait beau, et en tout cas pour l'instant c'est ce qui se passe et on peut vraiment vous saluer pour ça, Corentin Stark, le vainqueur de la classe E2SC2. Bravo Corentin. Merci Corentin, dans un amas de fans belges là que l'on va revoir tout au long de la saison, ça fait très très plaisir. Et enfin on va appeler encore un garçon, il est déjà à nos côtés, ça c'est la bonne nouvelle, vainqueur de la classe E2SC3B, comprenez par B turbo bridé, c'est Cédric Lansard. Bonsoir Cédric, bon on en parlait avec papa tout à l'heure, hein, effectivement, on était en train d'en discuter, mais vous avez fait un super travail pendant 2 ans hein, à développer cette voiture. Au-delà de cette anecdotique victoire de classe, on va dire ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est les chronos en constante amélioration. Et on a l'impression vraiment que cette voiture est en train de s'adapter à vous et vous de même, Cédric. Ouais, c'est à peu près ça, en fait on s'adapte à la voiture et la voiture s'adapte à moi, donc c'est génial. Vous aviez fait le choix d'un moteur bridé, on le rappelle, peut-être en vue aussi des prochaines saisons, des prochaines échéances où les choses vont évoluer. Concrètement, qu'on comprenne bien la différence entre le moteur non bridé et le moteur bridé en termes de puissance, c'est quoi? En termes de puissance, je ne sais pas trop exactement, mais il me semble qu'on a on doit avoir 80 chevaux de moins à peu près. Ouais. C'est intéressant de savoir ça, d'analyser les chronos ensuite et de voir comment vous évoluez. Donc bravo en tout cas Cédric pour tout le travail que vous avez fait. Je vous laisse monter sur la plus haute marche du podium et donc vous allez récupérer votre trophée de vainqueur de la classe de SC3B. Et donc avec Cédric Lansard que vous pouvez applaudir, on en a terminé et tout le monde a été récompensé. Merci Cédric, à très bientôt. Moi je voudrais vous remercier en tout cas amis spectateurs d'avoir été à nos côtés. Vous avez vraiment... Et un super, super, super week-end. Vous avez participé à ce super week-end. Didier, vous aviez quelque chose à rajouter, me semble-t-il. Ouais, tout à l'heure, on avait appelé Marc Pernaud. Marc Pernaud, est-ce que Marc est présent là? On l'avait appelé tout à l'heure. Marc Pernaud, voilà, il est vainqueur de la classe DE8. Bon, Marc est absent. Oui, juste un mot rapide parce qu'elles sont là, les demoiselles. Je voudrais saluer le travail de Delphine Henry, la fille de Christophe, en coulisses, qui a animé une équipe de bénévoles, et saluer le travail d'Anne Humbert, Delphine Henry, et le travail aussi en coulisses de son compagnon David Oliger. Voilà, merci. Eh oui, ils ont fait un travail extraordinaire. On peut vraiment applaudir. Voilà, ça sera la sonnerie de la fin du week-end. On peut vraiment applaudir toute l'équipe du Coca. Merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir été avec nous. Et on se dit à l'année prochaine pour la 51e. Merci, bonne soirée.